Yo, bonjour YouTube, comment Sécrétion vas-tu? visqueuse. Ah d'accord, sécrétion visqueuse comme ça, gratuitement. Bonjour YouTube, merci beaucoup Esquisse Alexis pour tes bits. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à Super Mario 64 ROM Hack. Je rappelle ce que c'est une ROM Hack, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont récupéré le moteur de base du jeu, qui ont tout récupéré dans le code source du jeu, et qui l'ont retravaillé pour créer eux-mêmes leur propre jeu avec le moteur de Mario 64. Pourquoi Mario 64? Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je sais maîtriser, et que ça me rappelle mon enfance et ma nostalgie. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre du live ou de la vidéo YouTube, parce que je te parle à La toi, Pokébox rediffusion. s'ouvre et révèle un nouveau La Pokémon. musique est trop. La voix est trop forte. Elle me déconcentre à une puissance, c'est hallucinant. Oh Totoro, merci d'avoir sub, que c'est gentil. Merci beaucoup, je te fais des bisous, merci, tu es. C'est ta premier mois de sub. Aujourd'hui, comme tu le vois dans le titre, c'est spécial. Horreur, spécial. Creepy. Des trucs qui font un peu. Ah, ça fait stresser. Donc, je ne me suis quasiment pas spoilé. Bon, il y en a une que je connaissais déjà. C'est mon petit frère qui m'a fait un listing entier de plein de ROM hacks qui pourraient être intéressants selon lui à tester en vidéo. Donc, on va découvrir ça ce soir. Sauf que, petit bémol. Elles sont toutes en anglais, donc je vais en chier, mon gars. J'espère qu'on va pas être bloqué, mais je compte sur vous, le chat. Vous allez faire des cauchemars. Morgane, tu n'imagines pas à quel point. Tu as raison. Non, en vérité, je me dis, c'est pas trop. Enfin, ça va pas être du Final Fantasy. Je vois pas comment tu peux faire un truc vraiment horrifique avec le moteur de Mario 64. Tu peux pas faire. Tu peux changer les textures, donc tu peux faire des trucs un peu. Pas gore, mais un peu étrange, un peu malsain, tu vois. Mais je vois pas comment tu peux faire d'événements. Bon, après, je peux être. Mon frère m'a dit que j'allais être surpris, donc je. Moi, je demande à voir. Je ne demande qu'à ça, à être surpris, avoir de la surprise. Mais je m'attends à tout, donc ça va Il est être cool. puissant celui-là. Qu'il est puissant celui-là, flic! Flic 1E, qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie. Merci d'avoir utilisé ton compte Amazon Prime chez moi, c'est très généreux. Donc voilà, on a combien? On a une bonne dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a une seizaine, je sais pas si ça se dit. Une seizaine de ROM hack à se tester ce soir. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère que ce sera bien surtout. Je fais confiance à mon frère. Et puis on est parti. Let's go. Un nouveau roi des étoiles. Oh, un nouveau roi des étoiles, c'est incroyable. Bravo à lui. On m'a demandé de dabber. Paf. Paf. On a Aruna qui a demandé à lancer la pub. Très bien, la pub se lance. Si elle veut bien se lancer depuis mon stream deck qui bug depuis 2 semaines déjà. Et voilà, il veut pas. Trop débile. Allez, la pub est lancée 30 secondes. Et on est parti pour. Ah, attends. Attends, déjà, je lance une ROM. Alors, vous allez entendre le bruit, c'est normal. Attends. Comment je faisais déjà? J'ai une scène Mario 64, moi, ou pas? Vas-y. Oh! Et j'ai une scène Mario 64? Trop cool. Alors. Oh, trop bien! Ok, cool. Bon. Test de son. La caméra, qu'est-ce que tu fais? La caméra, on dirait qu'elle fait des trucs un petit peu obscènes. Putain, le son est fort. Ça va le son chez vous? C'est pas trop fort? Vous voulez que je vous le baisse un peu? Allez, est-ce que vous entendez bien ma voix? Est-ce que le son du jeu est trop fort? Dites-moi tout. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Moi, je le trouve très très fort dans mes oreilles. Je le baisse comme ça. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer dans le chat? On a Totoro qui a complètement craqué. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est un cadeau. Mais Totoro qui vient d'offrir 20 subs! 20 subs! Ça fait quand même beaucoup, non? Oh, c'est un cadeau. Mais Totoro, est-ce que c'est. Est-ce que tu cherches à. Non, je sais pas. Tu cherches à comment on dit? Putain, j'arrive pas à parler. À me remercier? À me remercier parce que je t'ai raid ce soir, il faut pas le faire, voyons. Le simple fait que t'es sub à ma chaîne, c'était déjà énorme. Merci Totoro. Totoro, Totoro. Oh, je sais même. Pourquoi je t'appelle Totoro? C'est Totoro, je suis complètement con. Oh, c'est un cadeau. T'es là dans le chat ou pas? Bon, en tout cas, merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que ton live hier soir s'est bien passé. Il était 4 h du match chez moi, donc j'ai envoyé la communauté C'est un et je suis allé me cadeau. coucher direct. Oui, donc du coup, on parle de la fille qu'on a raid hier soir qui jouait à Animal Crossing si, pour ceux qui sont restés jusqu'à 4 h du mat. Oh, c'est un cadeau. Adorable, adorable cette fille. Merci Lilou pour les bits.
Bah écoute, Totoro, merci beaucoup. C'est trop généreux de ta part. Allez, on repart. Donc là, au niveau du son, ça devrait être bon pour vous. Le mec n'est pas prêt du tout. Parfait, on me dit. Le son est parfait. Merci, Teru. Oh, Teru, je t'ai laissé Modo. Est-ce que tu veux que je te laisse Modo? De toute façon, tu viens quand tu veux sur les lives. Et vu que je te fais confiance, bah, si tu veux modérer, tu modères. Et si tu veux pas, tu modères pas. Tu n'as aucune obligation. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ici? Moi, on m'a dit que je faisais des ROM hack spécial horreur, là. Je m'attends à tout, là. Je m'attends à ce que le jeu, il me troll en mode c'est tout mignon, c'est tout gentil, mais qu'à la fin, il va se passer un truc bizarre. Hein. Il y a vraiment un truc qui va pas, le son est trop trop fort dans mon casque. Ah là c'est un peu mieux. Ah il faut que je pense à faire des sauvegardes aussi automatiques. Bon mon frère m'a dit de pas en faire mais je me connais, je suis une bille alors je vais en faire tout le temps. C'est pas horreur pour l'instant, non. Effectivement c'est pas horreur pour l'instant. Je t'avoue que je sais pas trop. Attends mais je suis censé y aller comment là-haut? Ah merde! Ok, non, c'est pas comme ça qu'on y va là. Oh, c'est un cadeau! Et merde! Comment je fais pour y aller là-haut? Elles sont chiantes ces plateformes parce que. Elles sont chiantes ces plateformes parce que. Quand elle est très penchée, Mario il a un vrai problème d'inertie en fait. Il perd beaucoup de vitesse. Parce qu'il est ramené en arrière en fait, tu vois. En fait, c'est pas. J'ai envie de faire un saut en longueur, peut-être. Ah ouais, non. Vu qu'il y a une pente, il peut pas le faire. Putain, ça va être compliqué, ça. Et mon frère qui m'a dit, tu fais pas de safe state. Hein. Pas de sauvegarde rapide. Hein. Attends, je vais essayer de sauter sur le mur. Ouais, je bug dès le premier obstacle. Ça va être... ça risque d'être assez compliqué, je pense. Je vais essayer de prendre un peu plus de vitesse. Ah, il y a un truc là. Eh bien putain. Il va falloir le refaire. Ah ok, c'est bon, j'ai le coup. Donc je vous rappelle qu'on est sur une map horreur, mesdames et messieurs. Horreur, hein. Ouais, horreur. Mon frère, il m'a dit, tu vas voir, ça fait peur. Je lui fais confiance. Merde, ça passe pas. Ouais, je pense qu'il m'a troll. Non, non, il m'en a donné 15 et tout. Et j'ai vu au nom de certaines, il y a écrit le manoir de l'horreur. Il y a des années cheloues. Non, je lui fais confiance. Ah! Ah! Ah, on me met des petits... Ah! Mais quel con, c'est peut-être pour ça que le son était aussi fort du jeu. Oh, j'ai pourri l'ambiance sans le vouloir parce que j'ai baissé le son. Ah non! Le jumpscare, il aurait fait beaucoup plus peur si j'avais laissé le son plus fort, en fait. Ah, intéressant! Qu'est-ce que nous avons à faire, là? C'est les bois perdus. Merci Alexa pour les 400 bits. Face, 1 sur 7. C'est un Slenderman. Je dois rechercher les pages à la Slender. Je dois rechercher les visages de Todd. Mais du coup, qui dit Slenderman Bah, dit Slenderman. Est-ce qu'on va avoir droit à un Slenderman modélisé dans Mario? Ah, ça serait coquin si c'est ça. Ah, j'en vois une là-bas.
J'essaie d'entendre s'il y a des petits bruits. Deux faces, deux faces sur, sur cette... Oh, il y en a une autre là-bas, cool. Slender Todd, ah ouais. Un Todd, un espèce de petit Todd là, sans visage. Hein. Oh, il y a un truc blanc. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Slender, il fait pas très peur, ça va? J'imagine qu'il va me suivre tout le temps. Et que dès que je vais... et plus je vais rattraper des feuilles de papier, il va essayer de m'attraper. Je dois me taper tous les... Yes! C'est Christian Visqueuse. Tiens, sauvegarde. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Oh putain! Prends-la. Putain, putain, putain. Oh! Mais... C'est le bruit dans le... Je suis mort. J'allais dire, c'est le bruit dans le film de Hitchcock, là, noir et blanc, la douche, la qui tue et tout ça. Il me manque encore deux images à trouver. Psychose, putain, j'avais pas le nom. Il y en a une là-bas. Putain, elle est en hauteur de ouf. 6 sur 7. Mais gros. Mais je vois plus rien. Mais je vois plus rien. Arrête. Oh putain. Mais il va trop vite. Il va tellement vite. Là, je vais pas y arriver. Regarde, je fais des sons en longueur. Il va vite! Je mange un arbre! Et du coup, si je recommence là, je recommence à zéro ou pas? Ou alors, je pense qu'il faut garder les sauvegardes automatiques. Ah oui, mais regarde. Attends, je vais vérifier. Ouais, je recommence à zéro, ok. Donc, on va recommencer d'ici. Je sais qu'il y en a une là-bas. Donc, je la garde dans ma tête. En fait, le but du jeu, ce serait d'en trouver deux qui soient côte à côte. Pour pouvoir les finir d'affilée en fait. Bon là t'as vu, il va pas trop vite. Il est quand même derrière moi. Juste j'essaie de trouver la dernière feuille. Oh elle est là. Ça a attendu ça. Et là en fait il va à la même vitesse que moi. Mais j'ai pas moyen d'aller plus vite avec Mario. Sauf qu'en fait il faudrait que je tourne à droite. Ah. C'est chaud. Bon, au moins je sais où est située la dernière feuille. Ah, ça fait aller plus vite, ça, c'est vrai. Je sens que je vais pas y arriver. Je sens que je vais pas y arriver. Ça y est, premier jeu, je vais déjà abandonner. Merde. Peut-être qu'il faudrait que je l'éloigne un peu, que je prenne plus d'avance. Putain, ce bruit n'est pas drôle, mais il me fait rigoler, pourquoi? Ah, il va trop vite. Il était où déjà le papier? Je pense qu'il faudrait que je recommence le jeu. Faudrait que je recommence le jeu, je me débrouille à... Ouais, vas-y, tue-moi. Faudrait que je recommence le jeu et j'arrive à situer deux feuilles au même endroit, qui soient assez proches. Comme ça, je le termine assez rapidement, quoi. Déjà, la feuille qui est en hauteur, elle me demande trop de temps. C'est peut-être la feuille qu'il faudrait que je récupère en premier, je pense. Alors, regarde, par exemple, là, il y a une feuille, et là, il y en a une. Tu vois, ces deux-là... Je dois pas les toucher, je dois les laisser ensemble. Comme ça, elles seront dans le même axe et je pourrai les récupérer. Après, je ne sais pas si le jeu se termine pile quand tu récupères toutes tes feuilles. Peut-être qu'il faut aller trouver une espèce de sortie, je sais pas.
Non, on est à zéro feuille, donc il est pas censé être là pour l'instant. Oh, attends, j'ai vu du blanc là-bas. Il est là-bas, il est derrière la grille. Donc déjà, il y a une feuille ici. Peut-être qu'il commence à bouger déjà. Allez, regarde, il commence à arriver petit à petit. Mais il est très très lent. Ça fait rire quand j'ai mangé un arbre. C'est rigolo. Hein. Bon, c'est juste un Slender-like, mais j'ai envie quand même de voir l'écran de fin, quoi, voir ce qui se passe quand on gagne. Là-bas, j'en vois une. Ah, mais c'est la feuille en hauteur, celle-là, qui était très relou à prendre. Non, c'est pas plus dur que du Five Nights, cette ROM. Quoi que tu me diras. Non, ici, j'ai le... Je peux sauvegarder, donc c'est pas bien compliqué. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a que des emotes dans le chat? Quelqu'un a demandé d'activer l'emote only? Ah, il y a une feuille là-bas que j'avais pas vue. Faut pas que je me gourre, faut pas que je prenne une feuille qui était parmi les deux feuilles que je devais laisser côte à côte. Putain, Mario! Qu'est-ce que tu fous? Mario peut monter les arbres. Putain, c'est Naruto. Là-bas, il y a une feuille, mais je crois que ça fait partie des deux feuilles que je devais laisser côte à côte, non? Une feuille là. Ouais, la feuille là-bas. J'en ai combien là? J'en ai deux. Il en faut sept. Il m'en manque encore. Hein. Où êtes-vous? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Il est complètement fou! Mais Mario, rentre pas dans les arbres comme ça! J'en ai trois. J'ai trois feuilles. Je vais baisser un peu l'éclairage, si ça change pas la caméra pour vous, ça me fait mal aux yeux. Là-bas, j'en vois une. Je regarde au cas où. J'ai pas l'impression que ce soit une des feuilles que je devais laisser pour la fin. On en a 4, il m'en manque encore une à trouver quelque part. Et ensuite, on pourra aller se faire les deux dernières. Là-bas. Ah oui. Ça m'a l'air d'être pas une des feuilles que je devais garder pour la fin. Et maintenant, faut que je retrouve... Ouf. Où est-ce qu'elles sont les dernières? Elles étaient vers un bord. Oh, t'arrêtes pas. Mais t'es malade. Mais il est complètement malade de faire ça. La feuille en hauteur, je l'ai eu, la feuille en hauteur. Qu'est-ce que tu dis? Tiens, je bouge la caméra. Là, là-bas, je la vois. Je sauvegarde parce qu'on y arrive. Ok, j'ai complètement fail, mais c'est pas grave. Ah, je vais recommencer. Juste le bon axe. Elle est où la feuille? Quoi? Elle est où? Elle est là-bas! Ok. En fait, je vais prendre plus de... Ça aurait été bien que je passe juste à côté de l'arbre, là. Il faut que... Il faut que j'amène le monstre avec moi. Et qu'on fasse ensemble un petit tour. Mario, t'es une bite, t'es vraiment nul. J'ai pas eu. Je l'ai pas eu, c'est dommage. J'avais le meilleur axe. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Allez, vas-y. Waouh! Merci pour le GG. Bup. Bup. Bup, c'est le nom de la ROM hack.
Et voilà, c'est fini. Est-ce que tu vas vous... Oh non, c'est pas fini. Oh mais c'est pas fini. Mon frère m'a dit oui, les romacs, elles sont courtes, ta ta ta. Mais pas du tout. Tu as complété le premier trial pour rejoindre notre culte. Waouh. Tu dois en choisir un, continue. Ouh, ça sent la secte ici. Ouh. J'ai cru voir un truc. Oh putain! Mais c'est Five Nights! Oh, mais non! Mais non! Mais non! Mais c'est... Mais quelle coïncidence! Mais quelle coïncidence! Je te le jure que je le savais, j'en savais rien! Et qu'est-ce que je dois faire pour gagner? Attends, comment je dois faire pour genre fermer la porte? Mais mais... Ah j'ai peut-être... Je dois utiliser des boutons. Bon déjà j'ai niqué la caméra, super. C'est trop bien d'avoir fait des jumpscares comme ça. Mais juste... Oh! Attends, quoi? Là! Qu'est-ce que je suis censé faire pour le bloquer? C'est trop mal foutu, je vous jure! C'est des génies, mais c'est giga mal foutu! J'aurais peut-être dû parler à Todd juste avant. Genre la caméra là, je peux pas la... Caméra 1. Donc ça, ce bouton, faut surtout pas le toucher. Ah, comment? Ah je... Attends, mais je commence à comprendre, ça y est. Je commence à comprendre. J'ai accès à toutes les caméras. La music box! Je peux recharger la music box! C'est trop bien! Et quand j'en vois un. Putain, ils sont moches! Je dois sûrement appuyer sur un... devoir appuyer sur un bouton en particulier. Putain, la music box, c'est trop bien! Et ils s'approchent! Ou peut-être parce que quand je regarde les caméras, ça les empêche de bouger. Et c'est ça le gros truc bleu qu'on a vu? C'est la music box. Oh putain, il est à deux doigts d'être chez moi là, non? Mais il y en a un qui a disparu, tiens. Je comprends pas. Je comprends pas. Alors, lui là. Je le regarde. J'appuie. Il y a rien qui me permet de l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Eh ben tant pis, je saurais pas, je vais m'arrêter là du coup. Allez, un dernier petit jumpscare peut-être pour le plaisir. De toute façon, des ROM hacks, on en a presque une vingtaine ce soir à se faire. Tiens, on l'avait pas encore eu celui-là. Donc du coup, on va se faire une nouvelle ROM hack maintenant. On va en ouvrir une autre. Laquelle on va se faire? Ben la suivante, on va le faire dans l'ordre, comme ça je garde le rythme. Hop là, non, c'est pas la bonne scène. Ça c'est flippant. Merci Gigi Blovecraft qui a envoyé 1000 bits. Coucou, je viens d'arriver. Coucou à toi. Merci Lilo Kitsune pour tes 200 bits. Merci Lunatsu pour ton sub à la chaîne en tier 1. Merci Michael G HD pour tes 500 bits. Très gentil de ta part, merci beaucoup. Merci à Rins V1 qui a sub en Prime. Merci à Gripsou LCD qui a envoyé des bits. Et on m'a demandé de lancer de la pub. Bien vu. Je vais le faire un peu plus tard. Il est tôt encore. Qui a demandé à lancer la pub? Trop de gens.
Faudrait que les gens se mettent d'accord entre eux pour pas tous envoyer la pub ensemble au même moment, sinon c'est le bordel. On a quoi? On a Quentin Cool. Non, Quentin Cool qui envoie, demande à lancer la pub. Kéké qui demande le dab. Doreille qui demande à lancer la pub. White Gaming qui demande à lancer la pub. On a Delacroix Pixie qui devient tout. Bravo, félicitations Delacroix Pixie. GG. Je te mettrai le VIP et tout ça et le star à la fin du live. Hein. On m'a demandé de boire de l'eau. Je n'ai pas ma bouteille d'eau. J'irai la chercher après. Et on a Aynace qui a demandé de lancer la pub. Bon, allez, à 21h, je lance une pub de 60 secondes et une autre à 22h et une autre à 23h. Du coup, comme ça, tout le monde sera content. Bon, pourquoi il n'y a pas de son là? Piou. Piou. Oh. Allez, je vous montre le son. Je sens qu'elle va faire peur celle-là. Ah, la musique est bug. Elle ne se lance pas. Oui, des ROM hack de Mario 64 DS, ça existe, ouais. Mais tu pourrais jouer que sur la DS. Je me recoiffe, tu as raison. Ah, je m'attendais à pire. Je m'attendais à un truc vraiment défiguré ou quoi. S'il te plaît, viens au château. S'il te plaît, viens au château. S'il te plaît, viens au château. La fête est presque... Enfin, je sais pas si c'est fête en fait. Sont en forme. Ils cherchent le contact. Alors ça c'est drôle ça quand même. Yes. Merci beaucoup, bienvenue à Mister JD et toute sa communauté qui termine de live à 21h, c'est étonnant, d'habitude tu fais des lives jusqu'à 4h du matin. Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce stream sur Mario 64, donc du coup vous êtes la commu de JD, donc forcément... Merde, j'ai fait de la merde. Forcément vous connaissez un petit peu le jeu. Je suis désolé Mister JD, je n'utilise pas la liste, pas encore la liste que tu m'as fournise. Ce soir je me fais... Fournise? J'ai dit fournise, ça veut rien dire. Ce soir je me permets des ROM hack d'horreur. Stressantes, flippantes, qui m'ont été conseillées par mon petit frère, parce que lui aussi il aime beaucoup ça. Il m'a proposé une vingtaine de ROM hack qui sont censés faire peur. Là juste avant on s'est fait une parodie de Five Nights at Freddy's version Mario 64. J'étais choqué parce que je pensais pas que c'était possible de faire ça. Et juste avant on a eu droit à quoi? Un Slenderman. Un Slenderman version Mario 64, il fallait chercher des feuilles dans une forêt et il y avait un monstre qui te cherchait et c'était assez difficile en fait. Et là je viens juste d'en lancer une nouvelle. Et donc tous les personnages ils ont pas de yeux et tout. Et on va voir ce qui va se passer. En tout cas merci beaucoup de m'avoir raid, c'est très gentil de ta part. J'espère que tout va bien pour toi et que tout se passe bien. Et au plaisir de te recroiser à l'occasion. Donc, ça va, vous avez le son assez fort pour profiter du possible jumpscare qu'il va y avoir. Y a plus aucun arbre. Y'a plus d'eau. On entend Peach qui m'appelle de loin. Y'a une porte mais je sais pas si... Je suis autorisé à aller sur la porte. Parce que... Waouh. Bon, d'accord. Ah! C'est les sables mouvants, les trucs gris. Mamma mia. Très bien. J'ai envie de tricher un peu. Je suis curieux de voir s'il a mis quelque chose sur le toit. Bon, je sais pas le faire, je suis pas encore speedrunner, mais normalement, on peut aller sur le toit en passant par cette colline, en faisant un triple saut, en se laissant glisser, en sautant et en s'accrochant. Mais je vous avoue que j'ai jamais essayé, ne serait-ce qu'essayer de le faire. Je l'essaye une fois ou deux, et si j'arrive pas, tant pis. Ouais, non. Non, il faudrait se mettre assis et tout, flemme. Flemme d'essayer de le faire. Si le son est trop fort du jeu, vous me le dites et je vous le baisse. Mais pensez juste à me le dire. Hein, vous n'hésitez pas à me le dire. Oh. Le son c'est bon, vous êtes sûr, hein, c'est pas trop fort. Hein, parce que des fois vous me dites c'est bon, et c'est toujours trop fort à chaque fois quand j'écoute la rediffusion et je me dis putain ils sont chiants, ils m'ont dit que c'était bon mais c'est trop fort. Bonjour. Oh c'est glauque. Oh c'est glauque.
Oh, quand je me retourne. Oh, c'est bien. C'est pas mal. Ça va, le son, c'est bon. C'est bon. Un peu fort. Joueur ultime, je n'écouterai que toi. C'est toi qui as dit que c'était un peu fort, je baisse un peu. Bon, je baisse légèrement, quoi. Maillot. Maillot. Vous avez besoin d'une clé pour ouvrir la porte. Très bien, je note. Oh, le con. J'ai mangé du feu. Oh, putain. Alors ça, c'était censé être un espèce de screamer, j'imagine, qu'il me surprenne. Mamma mia. Ah putain, il faut se retaper ça. Je vais faire une sauvegarde rapide directement là-bas. Pourquoi tu joues toujours à la manette? Mario Songa, ça se joue pas clavier souris, si c'est ça ta question. Hop, sauvegarde. Alors pour ceux qui viennent de la communauté de JD, sachez-le, je suis quelqu'un qui joue énormément avec des sauvegardes rapides. Je sais que JD il les utilise jamais, c'est un gros tryharder, il fait toutes ses étoiles tout le temps en mode tant pis s'il meurt 14 fois. Moi je suis plus dans le... dans la flemme en fait. Et oh, on m'a demandé de dabber dans le chat, j'avais pas vu. Et du coup je fais toujours des save states. Il faut que j'aille me cacher là j'imagine. Ah non d'accord, ok, lui aussi il passe à travers le mur. La question c'est pourquoi tu joues toujours à la manette? Parce que je suis juste pas joueur clavier souris en fait, je sais pas jouer clavier souris. Donc je joue avec ce que je sais jouer, tout simplement. Oula, qu'est-ce que c'est que ça au sol? Oh. Ouais. Oh, c'était bizarre. Mario me fera toujours rire quand il monte les cordes. On dirait qu'il aime énormément les cordes. Je continue à faire des petites sauvegardes. Me mettez pas un trou caché dans le sol là. Je la connais cette technique. J'ai déjà eu une ROM hack qui m'a fait ça. En mode, tu cours sur un fond tout noir et en fait il y a un trou que tu vois pas et tu tombes et en tombant la caméra elle tombe sur un énorme dessin et du coup ça fait une espèce de jumpscare. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, ok. Oh putain. D'accord. Mais c'est des tableaux ça ou pas? Ou c'est aussi du sable mouvant? Rien du tout, non, c'est juste pour faire joli. C'est bien ça, Shadev, qui n'a pas abandonné la partie là. 3 mois de sub, merci beaucoup. Oh. Oh putain. Il vient d'un coup. Ah, c'est genre, il doit pas me voir. Je dois me cacher. Oh. Mais je dois aller... Oh. Il peut sauter? Non, il me voit pas d'ici. Bon, en fait, si je reste trop longtemps devant lui, il va essayer de me foncer dessus, quoi. Oh! C'est la pièce qu'on a vue tout à l'heure, ça. Oh, sympa! Je l'attrape comme si c'était un lapin. Petite sauvegarde. D'où viennent les alertes, sub, etc. C'est le commentateur de Pokémon Stadium 2. Putain, stylé! Cette mécanique? Ouh, de l'eau rouge. Ouais, d'accord. Ah, je suis attiré par le fond! J'imagine qu'il faut surtout pas y aller. Allez, Mario. Allez, Mario. Allez, allez, Mario. Manodou, vas-y. Vas-y, mon grand. Enfin, j'imagine s'il faut, il fallait y aller dans le noir, je sais pas. J'ai trop peur, moi. Je sens qu'il va y avoir un gros œil encore qui va sortir. Non. Rien du tout. Vous êtes sûr, hein? Rien du tout. Ok. Oui! Oh, la musique de Bowser ralentit. Pour l'instant, ouais, j'allais dire pas trop horreur, si quand même un peu, je trouve.
Oh, putain, ça a pas l'air facile, ça. Putain, c'est ingénieux. J'ai jamais vu des idées comme ça de gameplay dans les ROM hack habituels d'aventure. Faut juste apprendre le pattern. Et sauter au bon moment, voilà. Ce bon moment qui n'était pas arrivé. Je m'y attendais pas. J'avais pas capté qu'il y avait du gris. Oh putain. Attends, mais du coup, il faut que je calcule. Le gris, il en a combien le dernier? Ah non, c'est à chaque fois une chance sur 4. Bah du coup, c'est au bol. J'ai pas de bol. Ça marche. Bon, je laisse passer une fois. Et merde. Ouh, d'accord, je sais ce qu'il faut faire. Faut juste rester sur la même à chaque fois. Voilà, là je sais que la prochaine, c'est pas bon. Voilà, là la prochaine elle est bonne. Et je peux sauter comme ça. Oh, intéressant. Ah, je suis frustré qu'elle soit aussi courte la musique. C'est... Attends, c'est les sables mouvants, ça me touche ça. Je suis curieux, j'aimerais me faire toucher s'il vous plaît. Non. Et si je vais là-haut? Oui. Non mais oui. Attention, doucement. Ouais, il faut sauter sur les trucs comme ça. Est-ce que je pourrais pas tricher? Pas forcément comme ça, mais en passant sur les petits traits là, sur les côtés. Ah non. Moi j'aime bien tricher, moi j'aime bien ne pas respecter ce que le mec attendait de faire. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, les plateformes qui peuvent devenir grises. Oh, ça c'est stylé ça. J'espérais qu'elle... Ah, mais elle reste toujours grise celle-là, j'ai l'impression. Je suis con, elle reste toujours grise et j'y vais. Ah, un simple saut n'a pas suffi. Ouf. Oh, c'est dommage. Ça passe à rien. Fasse un triple saut. Ah putain non. Je vais faire une sauvegarde un peu plus proche quand même de là où j'étais. Genre ici. Faut que je fasse triple saut. Ok. Ça c'est bon. Pardon, je regarde pas beaucoup le chat. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je suis assez concentré sur le jeu et je vous lis pas beaucoup. Merci beaucoup Lilou Kitsune de m'avoir envoyé 200 bits. Merci Krulog qui a sub. Non, qui a pas sub. Qui a offert un sub à Loriana. Et on a Chat Dev qui arrive ça pour ses 3 mois. Mais ça, je l'avais lu, je crois. Et du coup, dans les récompenses d'étoiles, c'est bon. J'ai respecté tout le monde. À part la personne qui m'a demandé d'aller boire. Et les pubs. Oh merde. J'avais dit que je devais envoyer une pub à 21h. Une pub de 60 secondes et une autre à 22h. Désolé à ceux qui auront une publicité, je vais la lancer tout de suite, je suis navré, j'espère que ça vous fera pas trop chier, et à tout de suite. Et hop, on revient. C'est quoi le bail? Dès que je saute, ça devient tout grisé, j'ai pas le droit d'aller là-bas en fait, c'est ça? Tu veux que j'aille ailleurs? Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Pourquoi là c'est cassé déjà? Si je passe par dessus. Ouais. Est-ce que les plateformes... Ouais, non, tout change. Euh,
Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi là il y a un bout qui est cassé? Est-ce que c'est censé me dire quelque chose? Est-ce que je suis censé activer quelque chose en me mettant là? Il y a tout qui se ferme. J'essaie de regarder autour s'il n'y a pas une ouverture quelque part. Tout se ferme partout. Ah mais attends! Mais c'est parce que... c'est prévu par le jeu, je suis con! J'avais pas capté, je croyais que je mourrais. Non, c'est prévu par le jeu! Ah d'accord. Oh, ça par contre, c'est pas bien de faire ça. Donc ça c'est pas bien de faire des trucs comme ça. Ah, il est en train de me dire oui, il était petit ce jeu. Ah c'est flippant. Et du coup je peux prendre en compte le fait que le jeu est terminé, c'est bon. Merci à Bakay qui a réussi pour ses 4 mois. Ouais, start ne marche pas, rien. Non, s'il me dit que c'était un court jeu, c'est-à-dire que c'est terminé du coup. J'ai un peu peur. Ouf. Ouf, elle vous regarde pas dans les yeux actuellement, elle vous regarde dans votre âme. Et ouais. Allez, on va changer de jeu, on va s'en mettre un autre. Je vais ouvrir une nouvelle ROM. Il était assez rapide celui-là, effectivement. Du coup, continuons. Hop, je vais me remettre en scène Mario 64. Alors... Mario. Ça enchaîne vite. Ouais, ça enchaîne très vite. Mon frère m'a fait une sélection de jeux très court. Putain, on dirait les cœurs d'Undertale. Hein. C'est flippant quand ça commence comme ça, là. Le jeu s'appelle Super Mario Pobob. J'ai même pas pris le temps de dire le nom de chaque jeu, en fait. L'image de Bobomb Battlefield... La vidéo de Baddy sort quand? Bah il faudrait déjà que je finisse de l'enregistrer, donc c'est pas pour tout de suite. On pourrait faire ça en live un peu si vous voulez. Si je finis trop tôt les ROM hack de Mario 64 ce soir, on peut faire un peu de Baldi basique ce soir si vous voulez. Nanana. Il y a 100 pièces. Et 5 étoiles secrètes. Ok. Apparemment ça a l'air d'être un peu dur, on peut être facilement perdu. Ok, bonjour. Putain, il rigole, c'est sous ce remix. Nanana. Il me dit ne crois pas le roi bombe. Là, c'est la tortue qui me parle. Qu'elle est pas là actuellement. Est-ce que tu vas m'ouvrir un petit canon, toi, des fois? C'est Mario, nanana. Je suis Robert la bombe. Très bien. Mais tu peux m'appeler Rob Bomb. Ah non, c'est lui! C'est en lui, apparemment, que je dois pas avoir confiance. Il est le leader des bobombes. Vraiment, là, il me parle du roi bombe, que je devrais aller me battre contre lui. Ces interrupteurs, je rappelle que ça n'existait pas dans le jeu de base. Hein. C'est marrant qu'ils aient réussi à coder ça et que tous les ROM hack le récupèrent maintenant. C'est trop cool, je trouve. Y'a rien à faire? Ces petites énigmes? Ça consiste à quoi le nouveau jeu? En quoi? En quoi? Le nouveau jeu Baldi Basique. Toujours pareil, sauf que... un peu dans l'esprit de Five Nights, en mode... la première nuit facile, la deuxième un peu moins, la troisième encore moins, etc. Et bien là c'est... Oh! Y'a un truc là. Y'a un panneau, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de caché? Y'a un truc qui me bloque au sol. Ah mais y'a un trou. Ouais, et du coup, en fait, le niveau de difficulté, il faut refaire le jeu plusieurs fois pour que le niveau de difficulté change. Non, mais c'est juste la structure du sol qui change, en fait, j'ai rien dit. Et il y a plein de nouveaux personnages dans le jeu. Un personnage qui te glue, une meuf que j'ai pas encore compris ce qu'elle faisait. Il y a des nouveaux items, genre il y a l'item portail qui te permet de passer à travers les murs. Plein de trucs cool que vous verrez en vidéo. Putain, Julien, t'aurais pu me choisir des jeux où ça parle moins anglais sans rire.
C'est quoi ça? Rest in peace, Jessica, 1996-2013. Mort dans l'explosion qui a détruit cette, sa maison. Elle a survécu, mais pas sa femme, Sailie. Une fleur jaune seule a été placée. Une fleur jaune, tiens, ça me rappelle un certain jeu, ça. Oui, je suis le genre de mec qui marche sur les fleurs des tombes en général. Ah non, le niveau d'anglais, vous attendez pas un truc de fou par contre. Hein. Salut, je suis Edouard. Hein. Mais la plupart des gens m'appellent Todd Bomb. Todd Bomb. Todd Bomb. Todd Bomb, ok. La légende du retour du dieu. La prophétie. J'ai vraiment la cagne. J'ai trop la canne de lire. Merci mec. Du coup, il y a rien d'autre. Oh. Oh. Oh, ma sauvegarde rapide ne fonctionne pas. Ah, j'avais pas la souris sur la fenêtre. Ok. C'est pas flippant, c'est juste chiant. Merci, c'est gentil. Laisse un peu du temps au jeu de se lancer, tu crois pas? Après c'est pas forcément que des ROM hack flippantes. Ça peut être juste un peu bizarre, tu vois. C'est Mario, blablabla, je suis une bobombe, tu vas me battre comme dans chacun des jeux, blablabla, etc. Le goumet, t'inquiète pas. Merci. Ma défaite ne sauvera pas le monde. Apparemment, il est désolé. Il parle de mon âme. Robert, Koopa, Sally, Edouard. Ce monde, je suis désolé. Plus loin. Et je me suis fait expulser. En fait, c'est pas... Non, c'est pas... Ah, le tableau était noir et blanc, maintenant il est sépia. C'est pas une ROM hack très horreur, c'est juste une ROM hack un peu chelou. Même pas trop chelou, en fait. Non, c'est juste une ROM hack normale, j'ai l'impression. Y'a rien de bizarre ou d'horreur pour l'instant. Ah, il veut faire la course, lui. Mais gros, je sais pas où tu veux qu'on aille. Je sais pas où il est, ton... Ah, il est là-bas. Aussi simplement. Là, si tu me donnes une étoile, c'est... Ouais, d'accord, ok. Oh! Mais toujours, toujours, toujours plus loin. Bon, je laisse quand même un peu une chance au jeu. Et je fais confiance à mon frère, on sait jamais, il peut y avoir un truc qui va se passer à un moment. La ROM hack, c'est Undertale. Putain, j'ai pas la ref. Hein. Bon, là, le carré avec le cœur, ça fait très Undertale, mais après le reste, j'ai pas la ref. Là, le... Oh. Il y a eu un meurtre. Oh, Mario, la tête de la première dans le sang. Oui, la fleur jaune, s'il y avait une rêve, vous avez raison. Mais non, mais c'est pas parce qu'on dit fleur jaune que forcément c'est un Undertale de suite. Ouais, mon frère, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux anglais que moi. Oui, après tu me diras si... Si après... Ok. Après si la ROM hack s'axe principalement sur les dialogues, bah il est clair que je suis en train de passer complètement à côté de tout le jeu. S'il faut comprendre l'histoire pour que ce soit intéressant. Putain, je suis passé dans le tuyau. Ah, ça va être des pièces rouges, ça. Donc c'est vrai que je fais pas d'effort pour le coup. Là, c'est un peu ma faute.
Mais vas-y, y a toutes les bombes qui meurent, elles disparaissent toutes. Ça a été le Koopa qui s'est fait tuer juste avant. Alors, où est-ce qu'ils peuvent être les autres? Il y en a une au tout début là-bas. 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bon. Par contre, si vous voulez de l'Undertale... Pourquoi? Quoi? Quoi? Pourquoi j'ai une étoile au bout de 6 pièces? Si vous voulez de l'Undertale, j'ai une ROM hack Undertale Mario. C'était bizarre ça. Et mais par contre, je la connaissais déjà, mais je peux vous la montrer si vous voulez, elle est assez cool. Elle est courte, elle est assez cool. Et du coup, le jeu m'avait dit qu'il n'y avait que 4 étoiles, 5 étoiles à faire. Donc celle-là, ça sera la dernière. Oh non, la bombe, elle est triste. Il n'y a plus de musique. Plus de bruit. Plus personne. Mais si vous voulez, je vous fais un Undertale juste après celle-là. Oh, il y a du brouillard. Il y a un personnage là-bas. Oh, la fleur n'est plus là. Le canon. C'est toi, pas Mario, toi qui le contrôle. Je ne peux pas t'arrêter. Personne ne le peut. Ce monde est mort. Je sais ce que je dois faire. Quel est mon rôle? Allez, vas-y, prends mon étoile. Et tu auras la fin. Ah, en gros, à chaque fois que j'ai récupéré une étoile, j'ai tué quelqu'un sans vouloir. J'ai récupéré l'âme de quelqu'un. Les étoiles, ça représentait les âmes des gens. Bon, il est clair que cette ROM hack, elle aurait été beaucoup plus intense à faire si je lisais ce qu'il y avait écrit, en fait. Et du coup, il n'y a même plus de tableau, tiens. Ouf. Oh, il y avait un secret dans la trace de sang. Attends, il faut que je marche sur chaque trace de sang pour obtenir un secret, je crois. Après, il y a le dernier secret du bobomb qui avait tout à la fin. Je le garde pour la fin parce que j'imagine que la suite, la logique voudrait que je le fasse en dernier. Je l'avais dit qu'il n'y avait que 5 étoiles. Et du coup, ça, c'est les gens que j'ai tués pour avoir leurs étoiles. J'avoue que c'est un peu glauque quand même. Tu l'as fait. Quand tu nous as abandonné, nanana. Bon, ok, je vois le genre. Désolé de pas m'y être. C'est la fin. Ouais, désolé de pas m'être plus intéressé au dialogue, mais j'avais vraiment, 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 vraiment la grosse canne de traduire de l'anglais pour le coup. Ok. Ok. On va s'en faire une autre. Je vais vous lancer celle sur Undertale. Qui s'appelle Unrelated. Hello. Mais celle-là, je la connais déjà. Il n'y a pas de surprise pour moi. Mais peut-être que pour vous, il y aura surprise. Ah, peut-être que pour vous. Ah mais non, mais attends, ça prend en compte le fait que j'ai déjà joué, donc il y avait déjà ma sauvegarde. Ah, j'ai déjà l'étoile. Merde. Ah, attends, ouais, non, c'est foiré, là. Je pourrais pas vous la montrer, j'ai déjà chopé l'étoile. En fait, on est dans un espèce de petit village. Je vous resitue le contexte. Tu vois, là, il y a une pierre tombale. Là, il y a une espèce d'église avec des bobombes. Là-bas, il y a des maisonnettes, il y a la maison de la tortue et tout ça.
en fait, là-bas, si tu y vas, quand tu viens là, ici, tu tombes face à quoi ? Un grand trou ! Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Undertale, vous devez savoir à quoi sert ce trou. Oh putain, pourquoi il me ramène là ? Quoi ? Pourquoi il me ramène dans le jeu d'avant ? Alors là, y a un gros truc qui va pas là. Ah mais attends, ça me dit quelque chose tout ça. Ça je l'avais déjà vu aussi. Ah oui, ça je m'en souviens, regardez. Ma manette, elle peut pas aller en haut, en bas. Et en fait, je peux aller que de gauche à droite. Et regardez, je m'étais dit, waouh, ça c'est impressionnant, regardez. Quand j'avance. Ça, j'avais trouvé ça cool. C'est le même créateur. Oui, mais je joue pas au même jeu pour le coup. Ça, j'avais trouvé ça cool. Mais du coup, c'est un peu foiré l'expérience parce que je l'ai déjà fait ce jeu. Et du coup, je sais plus s'il y a autre chose à montrer ou pas. Tu t'es réveillé! Ouais, attends, ça tourne en rond. Ok, bon. Désolé. J'aurais aimé la découvrir en live, celle-là, pour le coup. On va s'en faire une autre. Shalchi. Faudrait vraiment que j'aille me chercher ma bouteille d'eau à un moment donné, moi. Ah. Oh, putain. Est-ce que vous cherchez à parodier SCP, peut-être? Ah, et Mario? Oh! Ah mais oui, je crois qu'on est un peu sur du SCP. 34-210 est échappé, je répète, 34-210 est échappé. Ne paniquez pas. Il va vous chasser. Si vous le trouvez, il vous tuera. Il vous trouvera. Il ne vous lâchera jamais. Regardez les écrans verts, il y a écrit. Wake up, réveille-toi. Oh, c'est quoi, c'est un vaisseau? Cette musique me parle. Est-ce que c'est de Undertale aussi? Oui, je crois. Oui, c'est la musique du corps, tu as raison. Oh, ah oui, d'accord. Log de développeur. C'est un peu dans l'ambiance de SCP Containment Bridge, j'ai l'impression. Bon, on m'a dit, il faut que tu parles à chaque écran vert. Alors, je sais pas si c'est une obligation pour faire avancer le jeu ou pas. Ah, j'ai confondu, c'est pas Core. C'est Waterfall. Ah, c'est quoi le... Waterfall? C'est quel village, ça, déjà? C'est quel endroit? Ah, c'est dans la grotte, avec les fleurs bleues, c'est ça? Putain, Undertale, ça remonte à trop longtemps, là. C'est stylé, ça. Oh, j'ai actionné un bouton. Merci à Nico Longa qui a reçu pour ses 8 mois. Merde. C'est le couloir de Zelda qui se tourne sur lui-même. Ah, ils ont mis la salle à l'envers. On avait fait une ROM hack où on nous avait fait ce coup-là à un moment aussi.
Merde. Yo, ça fait peur pour l'instant? Non, ça fait pas peur, ça va. Après, c'est très difficile de faire de la peur avec un moteur de jeu de Mario 64. C'est, vous attendez pas à des jumpscares ou des trucs comme ça, quoi. Merde, dommage. Mario la bite. Non mais pas de vrai jumpscare, je veux dire. À part le slender, peut-être que le slender, j'avoue que je m'y attendais pas. Le jumpscare à la slender, il était pas mal, c'est vrai. Est-ce que je dois retourner à l'écran? Zut! Re-zut! Complètement, c'est par là. J'oublie un peu que j'ai ce pouvoir des fois aussi pour sauter. C'est qui est puissant? C'est Alcine qui a sub en prime et qui est très puissant. Est-ce que je suis censé aller là? Est-ce que je suis censé aller là-bas? Ah non, pas là-bas. RIP manette de Pharaoh dans l'aimé. Qu'est-ce qui se passe avec ma manette? Pourquoi tu dis ça? Ouais, pour l'instant le gameplay est un peu nul, ouais. Si jamais elle est trop longue ou si jamais elle me saoule un peu, moi je change, faudra pas m'en vouloir. Hein. Vu que je les connais pas à l'avance, je sais pas lesquelles sont bien, lesquelles sont pas bien. Ouais, par exemple la première qu'on a faite, elle était bien. Là, celle-là, bon, pff, sans plus, quoi. Ah, vous entendez trop ma manette, peut-être, c'est ça. Oh. Attends, qu'est-ce que... Bon, non. Vous avez raison, non, celle-là m'a saoulé. Allez, je change. Le mec, il n'est pas du tout déterminé. Ouvrir une autre. Alors, on va ouvrir laquelle? Tiens, d'ailleurs, je vais supprimer celle que j'ai déjà faite pour m'y retrouver. Donc, Undertale, on l'a faite. Please come to the castle. Elle était cool, celle-là. Je l'ai faite. Pobob, je l'ai faite. The Invitation. Je sais pas si je l'ai faite, celle-là. The Invitation. C'est peut-être celle qu'il y avait juste avant, je crois. Non! Ah, ça, c'est clairement Undertale, ça, la musique. The Invitation, c'est le nom de la Rome. Mario, je suis ici contente que tu aies accepté mon invitation à venir ce soir, cette nuit. Ce soir, cette nuit, ouais. Les autres guests devraient... sont déjà arrivés et ils attendent dans leur salle pour aller dîner, que le dîner commence. Pourquoi tu ne te familiarises pas avec leur visage? Enfin, tu vas pas leur parler un petit peu, quoi. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci d'être venu, bah... sympa, avec plaisir. Écoutez, c'est quand même ma femme qui m'a invité.
C'est fermé. La porte est fermée. Ok. Oh putain, Wario. Yo. Je suis tellement affamé, Peach m'a promis un énorme festin et je suis prêt à les manger. Je vais aller en dire deux mots à la cuisine. Hein. Oh miam miam miam, vas-y, moi je me mets là. Je me mets au milieu, comme ça. Hop, spaghetti, ravioli. Il est sympa son siège à Peach. Qu'est-ce qu'il fout là-haut lui? Oh putain, cet énorme plat de spaghetti. Est-ce que je peux aller à l'intérieur? Est-ce que c'est un monde? Non. Donc la cuisine, bonjour. Dîner presque prêt, Mario. C'est un vrai mystère de d'où est-ce que vient toute cette sauce. Je m'en fous de ta vie. Est-ce que je dois aller dans la sauce peut-être? Et des couteaux. Je rappelle, c'est une map horreur. Il va se passer un truc avec les couteaux. Oh. Il y a plein de trucs. Oh. Attends. Il y a une salle là-bas avec plein de sauces. On va y aller. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais attends, c'est quoi? Il y a un bug de texture? Pourquoi? À quelqu'un qui me parle, mais il y a un point d'interrogation. Les basements, c'est quelque chose qui me fait peur. D'accord, ok. C'est les pensées de Mario, je pense. Putain. Ah oui! Non, je sais pas en fait. Est-ce que cet endroit est vraiment creepy? Je suppose que Todd... Putain, j'ai vraiment la canne de lire. Il faut que je ramène de la sauce à Todd, peut-être. Je crois que tu attires les bugs. Non, je pense pas que ce soit un bug. J'ai jamais vu ça dans Mario. Ça n'existe pas, ça. Non. Là, c'est quelqu'un qui a créé typiquement le modèle du point d'interrogation. Il n'y a plus de musique. La musique vient du lobby du château. Tu devrais aller vérifier là-bas. Le lobby, quand il dit le lobby, c'est le début. Et ça, c'est quoi toutes ces portes-là? Ah, mais c'est les chambres à coucher. C'est, on est un peu dans un château où on a les invités. Oh, putain, ça serait trop cool qu'il y ait un... Genre, vu que ça va devenir horreur, il va y avoir un monstre. Ça serait cool qu'il y ait un personnage à la fenêtre qui nous regarde, tu vois, de loin. C'était où déjà? C'était là. Oh. Alors, la notif était placée au bon moment. Merci Alp4Cap qui a réussi pour ses 4 mois. Mon dieu, Waluigi a été assassiné. C'est terrible. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur. Je lis même pas ce qu'il y a écrit, je devine. Est-ce que ça serait pas une enquête policière? En mode on doit deviner qui a fait le crime. Oh, putain, Bowser Jr., t'es immonde. Oh, t'es dégueulasse. Tu aurais pas existé. Et genre Bowser, il fait partie des invités comme ça au calme. C'est un pote Bowser maintenant. Alors, peut-être que vous avez raison, en fait les points d'interrogation c'est des gens qui ont... C'est des persos qui ont bugué peut-être. Ça va? Ça va? Est-ce qu'il n'y aurait pas une arme du crime dans la cuisine là? Est-ce que le couteau aurait été... Ah! Il n'y aurait pas un couteau qui aurait été pris là des fois? Pas Waluigi, c'est mon crush. Oh putain, je te juge tellement. Comment tu peux crusher sur Waluigi? Ah, la porte est ouverte maintenant. Ah non, pas du tout. Mais t'avais une serrure avant et là il n'y a plus de serrure? Ouais. On va aller vérifier toutes les salles une par une. Ça a l'air d'être toujours la même chose. Les points d'interrogation, ça ressemble beaucoup à ce que pense Mario, je trouve. Comme si Mario, il voulait donner son avis, tu veux dire? C'est la salle des balais, qu'est-ce que tu fous là? S'il te plaît, ne dis pas à la princesse que je slacking off, que j'arrête de travailler, que je me cache, que je me repose. C'est Cluedo. Ah putain!
Tiens, pourquoi ici il y a un point d'interrogation et pas dans les autres salles? Pas ici, peut-être que... I still by the fire. Pourquoi Luigi n'est pas là? Wow, encore un mec qui est mort. C'est quand même pas de chance. Bonjour. Attends, il y en a un autre. Mais c'est terrible, les pauvres, ils étaient en train de jouer au ping-pong. Et puis pouf. Canapé est trop grand. Ah, mais celle-là, je viens de la faire. Donc celle-là, c'est la chambre que je viens de faire. Je la refais au cas où il y a un truc qui est changé. Rien du tout. En face, j'étais pas allé, je crois pas. Luigi, personne ne l'aime. Eh oh, dites pas... Oh, dites pas ça, sinon on n'aurait pas mis une emote Luigi. Ah bah attends. Ah bah voilà, il est là, Luigi. On m'avait dit, regardez By the Fire. Mais regardez, on dirait presque l'emote de Luigi qui dab. Sauf qu'en fait, il est mort. Mais c'est quand même ton frère, Mario, tu pourrais t'inquiéter. Est-ce que c'est Luigi dans la cheminée? Je ferais mieux de le dire à tout le monde. Ok. Je vais aller le dire à tout le monde. Putain, mais il y a tout le monde qui est en train de se faire tuer un par un, là. C'est fou. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autre porte à vérifier. Donc ça, c'est la salle des sauces. Oh! T'étais pas là, toi, avant. Qu'est-ce que tu fous, là, toi? Wario a été trouvé... A été retrouvé mort dans cette salle? Dans sa chambre? Mais Wario, t'es complètement con! Pourquoi tu meurs comme ça? Pas aujourd'hui? Oh! Attends, quoi? Je peux voir à travers le mur? Hé hé hé, je peux tricher. Est-ce qu'il y avait d'autres salles avec des portes ou pas? Non, mais que celle-là, c'est juste ce couloir. Ok. On m'a dit d'aller prévenir tous les autres avant que... Mais je sens qu'en fait, il y a tout le monde qui va mourir. Je suis sûr qu'en fait, c'est les Toads qui tuent tout le monde. Tiens, mais il est où le corps de Waluigi? Of the body. Quelqu'un a volé le corps. Est-ce que vous êtes en train de cuisiner le corps dans des spaghettis? Oh non, mais c'est pas vrai, même les Toads, ils meurent maintenant. Tout le monde qui crève, s'il te plaît. Est-ce que la porte serait ouverte maintenant? Toi, t'es pas encore mort. Ah, je pensais qu'il fallait attendre que lui il meure pour pouvoir aller ici. C'est notre chambre, ça. Elle croit que Bowser est derrière tout ça. Quand même, Bowser qui commence à tuer les gens de chez Mario, c'est chaud, je trouve. Pourquoi elle fait un double dab inversé comme ça avec ses mains? Mon ventre, il fait du bruit, je sais pas si vous l'entendez. Et maintenant, lui, il est là. Oncle Mario. Oncle quoi? Oncle Mario? Papa a besoin de ton aide. Peach l'a mis à l'intérieur d'une peinture. Où ça? Peut-être qu'il faut que je ressorte. C'est fermé. Tiens, je peux pas ressortir. Elle est où, la peinture de ton père, là? Ah! Il voulait dire derrière la peinture? Ah, il a emprisonné derrière. D'accord, je croyais qu'elle en avait fait un tableau, je comprenais pas en fait. Ah, mais en fait, c'est Peach la meurtrière! Peach la meurtrière! Oh putain, un jeu où c'est Peach la méchante, c'est rigolo. Oh! C'est très bien amené ça par contre. Ça, c'est très bien amené. Qu'est-ce que tu fais, là? Nous sommes désolés, Mario. Mais on n'a pas le choix. Donc, tu as décidé d'aller parler avec Bowser. J'ai entendu ce qu'il a dit. Et il a certainement raison par rapport à ça. Ne t'inquiète pas, Mario. Ta mort sera faite avec le moins de souffrance. Ah bah super. Bah génial. Ah. Mario est mort.
Ça fait réfléchir, hein. Il tout court ce jeu, Mario est mort. À la fin, Mario meurt. Il se tue par Peach. Et si tu veux pas mourir, bah tu restes dans la salle. Avec les spaghettis. T'as de quoi survivre pendant au moins 3 jours, je dirais. Et là, on peut rien faire de plus. Ok. C'était bien. C'était bien. J'ai réussi un petit peu à lire quand même. Donc, l'invitation, nous l'avons fait. On est bon. Un été de 1996. C'est le nom de la prochaine ROM hack. C'est parti. Est-ce que tu es sûr que ça va, Mario? Ça commence bien. Merci beaucoup à Big Eyes 2024 qui a envoyé 200 bits. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. Oh, j'ai oublié de préciser, demain à 20h, on va regarder en live tous ensemble l'événement Fortnite de la saison 3. Je me demande bien ce qu'ils vont faire, je suis curieux. Et, mais par contre, je ne sais pas ce qu'on fera demain. Je ne sais pas si je vais faire toute la soirée du Fortnite ou si on va se faire un petit jeu. Et par contre, mardi, je ferai du... Comment il s'appelle là, le jeu que je voulais faire là? The Last Guardian. Je vais commencer le jeu. Merci à Matt PKM qui a sub en tier 1. Oui, oui, moi ça va. Bonjour. Là, le son est fort, non? Un peu, hein, ouais. J'ai eu l'impression qu'il était plus fort que les autres. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Ok. C'est une très grande porte qu'il y a derrière, là. Mario, c'est vers là que tu peux aller. La bombe rose, blablabla, mes couilles en stock. Cool, je parle anglais, c'est bien. Bon, en tout cas, la porte est bloquée. C'est une très très grande porte. Vous avez besoin que je baisse encore le son du jeu? Non, j'ai l'impression que là ça va. Il reste combien de ROM? Je sais pas, il doit en rester une dizaine encore. Mario, tu es en vie? Oui, c'est vrai qu'on s'est fait tuer juste avant. Mais normalement, les deux ROM hack n'ont pas de lien entre elles. Qu'est-ce que c'est ce monde dans lequel on est? Il est coincé ici. Ok, il m'a souhaité bonne chance. Est-ce que je suis censé aller là? Mais là, on dirait que ça a la taille d'une bombe. Est-ce que je peux voir à l'intérieur? Ouh, c'est très bizarre. Mais c'est vraiment la taille d'une bombe. Tu veux pas que je te prenne et je te lance dedans? Ford, avec toi, j'apprends l'anglais. Ouf, putain, t'es mal parti. Et le bouton, là, il s'est réactionné, non? Ok. On va la skipper rapidement cette celle-là. Si tu veux mon avis. Franchement ouais, je m'en sers comme d'une boule de bowling, là je le lance à l'intérieur, paf. On change, ça m'a saoulé. On s'en fait une autre, elle est nulle. 3, 4, 2, 10, c'est celle qu'on avait fait là, qui est Darius the Janitor. Qu'est-ce que c'est? Ah, je vous ai prévenu, hein, faut pas m'en vouloir. Hein. Ah, ok, on peut pas la lancer. Faut pas m'en vouloir hein, si jamais je skip assez rapidement les ROM. Sectionner un fichier. Okidoki. 5 jours... Till Christmas. Until Christmas. 5 jours avant Noël. C'est la... Ceci... This is the story of Darius. Est-ce que c'est une allusion à Stanley Parable? Darius the Janitor.
Bon, la prochaine fois que je croise mon frère, je lui dis ne me redonne plus jamais des ROM hack avec autant d'anglais en fait. T'es Mario. Oh, c'est un cadeau. Il a pas l'air en forme, Mario. Son petit pyjama. Je sais pas si c'est un pyjama. On dirait une combinaison pour. Combinaison de travail. Oh. Ah, il y a le jeu, regardez. Ah non, vous le voyez plus. Il y avait le jeu qui buguait un peu en hauteur. Hein. Ah, bah c'est mignon. Ça va pas faire peur, ça. Oh. Je sais pas, mais c'est mime, ça. Ok, bah je t'offrirai ça si tu veux. À Noël, Morgan, je t'offrirai une combinaison bleu ciel. Je sais pas pourquoi je vais là-haut. Ah! Ah, je croyais qu'on pouvait passer. L'école. Ça a arrêté instant. La musique, tout. Ça m'a calmé. Ah, j'aurais pu aller là-haut peut-être avec la carapace. Oh. Vous avez 6 choses restantes à faire. Oh, il a pas l'air bien, petit Todd. Retourne travailler. Le bouton Z. Et là, c'est le drame. Oh non. En fait, j'ai six travaux à faire. Hein. Je sais pas. C'est une école, hein. Des salles de classe et tout ça. Miam, le jeu qui lag. Miam, le jeu qui lag. Il affiche trop de tables, trop de chaises. Il est en mode, ah non, je ne supporte pas autant de choses à afficher. Je ne peux pas, non. Ah non, très bien. Ah. Et là, il considère que j'ai fait un travail. C'est ça qu'il voulait dire, appuie sur le bouton Z. Putain, si ça se faisait aussi facilement. Ouais, je me doutais bien que le but c'était de nettoyer l'école. Ouais, c'est ça. Oh, j'aime pas comment ça lag. Il y en a une autre là? En fait, c'est pas l'école qu'il faut nettoyer. C'est tous les toilettes. Mais c'est pas une ROM hack d'horreur ça! C'est une ROM hack. Homme d'entretien simulator. Ok, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai récupéré. Tu es une femme de ménage du coup, Mario? Non, là on est dans... Ah, attends, pourquoi il y a des ordinateurs? Il n'y en avait pas avant. Là on est dans un établissement scolaire, je crois. On dit pas... homme de ménage ou femme de ménage. Oh, trop bien! Il a l'air trop bien ce site internet, là. Cool. Je vais reprendre mon frère un peu pour lui dire qu'il devrait éviter de me donner des ROM hacks de ce genre-là. Non, on dit un agent d'entretien quand c'est à l'école, je crois. Je sais pas en fait. Je pense que mon frère a voulu me faire passer un message. Cette ROM hack lag beaucoup trop. Je skip. Bye bye. C'était cool de t'avoir vu, Darius the Janitor. Bye bye. Allez, nouvelle ROM hack. Mario House of Horror. Pas mal ça quand même. Oh. Nous avons Sayuki qui a offert un sub, merci beaucoup. Et on a Miss Pépinus qui a envoyé 245 bits, c'est très précis. Ah, il y a mon frère qui vient de m'envoyer un message à l'instant sur mon téléphone. Il doit être en train de regarder le live. Il vient de me dire, va regarder Discord. Il a dû m'envoyer un message.
Alors, pourquoi Discord s'allume pas? Discord s'allume. Ah ok, apparemment j'aurais raté une bombe au début. Ouais, du coup tant pis, ouais. Alors, à quoi allons-nous faire ici? Oh, ma vie elle se compte en bonbons. Eh, ça rigole pas. C'est le manoir de Luigi. J'ai passé du temps dessus, j'espère que tu vas kiffer. Allez, on va voir. Bonjour. La maison de l'horreur, nanana, will always remain open. Si tu... Open to stumble, open a closed door. Please, recherche un membre du staff. Hey, y a pas de grille. Moi, je veux passer s'il y a pas de grille. Ah, vous avez pas le jeu, pardon. Pardon, c'est le fail, c'est le fail. Je voyais le chat qui était en train de s'exciter à droite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chat s'excite, en fait? Parce qu'il n'y avait pas le jeu. Je vous le refais comme s'il s'était rien passé, regardez. Hop. J'étais en train de montrer que c'était le manoir de Luigi, comme ça. Oui, ça va, j'ai vu qu'il n'y avait que la cam. Ça va, on n'est pas dans un live Five Nights at Freddy, c'est bon, tranquille. Et donc là, il y avait un mot qui disait clairement... blablabla, regardez la dernière phrase. S'il vous plaît, recherchez un membre du staff. Ah non, peut-être que quand il dit un membre du staff, il parle des créateurs du jeu. Ou alors c'est dans le jeu Mario, il doit rechercher un... Oh, je sais pas. Bon, en tout cas, là, c'est fermé, je peux pas rentrer. Est-ce que je dois faire le tour de la maison? Est-ce qu'on peut parler aux citrouilles? Le décor est sympa, ouais. C'est un des meilleurs décors qu'on a eu pour l'instant. Oh, mais c'est comment on me surveille. Oh, un cimetière. Oh, est-ce que Luigi est réel? Je peux pas lire les pierres tombales, ok. Ouh, il y a une pierre tombale qui ressort beaucoup plus que les autres là-bas. Ah, la pierre tombale dit en mémoire de tous ceux qui n'ont pas réussi à échapper à la maison de l'horreur. C'est bien. Mais j'aimerais bien y rentrer déjà, la maison de l'horreur, avant de vouloir m'en échapper. Parce que sinon, moi, je repars. Hein. Il y a Obi Pixel qui a demandé à ce que j'aille boire de l'eau. J'ai toujours pas ma bouteille, faudrait que j'y aille un jour la chercher, la remplir. Alors. Je dois rechercher quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait m'ouvrir la maison. Mais il y a personne! On est tout seul! Ah! J'entends quelque chose. Ah, j'entendais un bobombe. Un bobombe avec un chapeau de sorcière. Bonjour! Ah! Qu'est-ce qu'il dit? Don't sneak up on people like that. Ne parle pas aux gens comme ça, tu m'as fait peur. Ne surprends pas les gens comme ça. On n'est pas censé se faire peur ici. Rentre dans la maison de l'horreur. Il faut que tu trouves... tu as trouvé la porte fermée et tu attends quelque chose, je vois. Si tu cherches à passer la porte, tu dois savoir les règles de cette maison. Il y a trois salles que tu dois passer, trois avec trois différents challenges, mais par chance... avec un peu de chance, tu sortiras de cette maison vivant et tu trouveras... bref, un trésor. Donc vas-y, entre, mais souviens-toi de la règle la plus importante. Oh, stylé! Comme s'il m'ouvrait un coffre. Un canon. Le moment où tu rentres à l'intérieur... Tu pourras plus sortir, bonne chance. Putain, anglais sur 20, mais de ouf. J'ai vraiment, vraiment, vraiment du mal. Jugez-moi. Là, vous avez le droit de me juger. Je le mérite totalement. Alors, maison de l'horreur.
Oh, c'est joli, avec des petites pièces comme ça. La musique s'est arrêtée parce que j'ai fait un zoom de caméra ou c'est comment? Oh, c'est des fausses pièces. Ah, un petit quelque chose cette musique, j'ai déjà entendu. Peut-être que je suis censé récupérer toutes les pièces, ça fait peut-être partie du... Yes, Mario. C'est pas grave, j'ai fait une sauvegarde, vous n'avez rien vu. Ah oui, du coup, il y a mon frère qui est là, je te préviens. Je fais des sauvegardes tout le temps. Vas-y, viens. Regardez, les pièces me donnent des espèces de bonbons. Il y a autre chose à choper là sur les côtés ou pas? Rien du tout. Pharos ultra important, mais le counter factor à 2 dans le paramètre de l'émulateur sinon le jeu va crash à la fin du niveau. Waouh, ok. Dans les paramètres. Paramètres quoi? Paramètres graphiques? Paramètres réglages? Counter factor. Counter factor. Ah, counter factor, ouais, il est là. À 2. Allez, je te fais confiance. Ce serait con de se manger un glitch de la... Oh putain! Bien joué! Est-ce qu'ils peuvent retomber? Non, ils retombent pas après. Ah si, ils retombent! À l'aide! Ouais, ça c'était sûr. Les chaises, elles te mettent des sales coups, ça. Peut-être que j'ai pas besoin de rester aussi longtemps dessus, tu me diras. J'ai juste à attendre. Non, nul. Ok. Et le bout, par contre, il faudrait qu'il vienne, non? Il faudrait que je lui récupère sa pièce. Je sais pas si c'est nécessaire de récupérer les petites pièces. Il y a un petit bruit des fois. J'entends un petit bruit dans la musique, on dirait. Il y a un petit bruit en mode. Tu vois, un petit. Comme ça là. Et c'est assez bizarre et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se mettre à parler dans mon casque. Ça me met assez mal à l'aise. Si jamais je le réentends, je vous le fais remarquer. Tu me fais de la ASMR, c'est clair. Par contre, la musique, je sais plus d'où elle vient, mais elle est cool. Des feintes. Peut-être que je devrais rester dessus. Non, c'est bon. Oh, stylé. Ouf. Il faut rester sur les petits endroits comme ça. Ah non. J'ai cru que... Ah non. Ah non, il n'y a qu'une seule qui fonctionne. Elle est là-bas, regardez. Et la prochaine? Il n'y en a pas. Et là, ça va être drôle. Oh. Laisse-moi réfléchir.
Peut-être qu'il faudrait que j'aille directement là. Là. Mais non, j'ai pas le temps, là. Attends. Peut-être qu'il faudrait que j'y aille juste après qu'il se soit lancé. Genre maintenant, tu vois. Je suis nul. Voilà, là comme ça. Je me permets de faire des pauses et des save states. Ah oui, 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 c'est une bonne idée de faire ça. Genre sauter juste avant où je pense qu'il va pousser. Et m'accrocher sur le petit bout qui reste. Merde. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est complètement fou. Bon là je me suis mis dans la merde avec cette sauvegarde qui me bloque pas mal. Donc je vais devoir la faire un petit peu à l'aveugle. Ok. Je suis bien content d'utiliser sauvegarde rapide. Oh ça c'est stylé ça. Ça ça a de la gueule, ça c'est bien. Vous l'avez entendu ce petit bruit? En fait c'est quand je prends une pièce, écoutez. Le petit. Écoutez. Vous avez vu? Comme ça. Très très dérangeant. Ah ça fait bizarre. Erk. On est à 50 pièces. Ah non, c'est pas très fort par contre, je suis d'accord. Faut avoir l'oreille. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Ah! Donc là, clairement, je meurs. Ok, oh! Spoiler quoi! Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Droite, droite, gauche, droite. Gauche, droite, gauche, gauche, droite, droite. Gauche, droite. Oh le con! Putain, à la fin comme ça, le dernier. Oups. Oh. Oh. Oh, c'est un cœur qui fait du mal. Oh, concept. J'ai jamais vu ça. C'est un cœur qui ne te remet pas de la vie, qui justement t'en enlève, c'est excellent. Oh putain, ce bruit. Oh putain, j'ai fait la pire erreur, je crois que j'ai sauvegardé sans faire exprès. Ah. Oh non. Oh non, comment je vais faire? Ah c'est bon. Oh le flip. Ah non mais attends, quoi? Attends. Attends, déjà je me remets là. Ah en gros... Ok. Je crois que ça c'était pas très très apprécié par l'émulateur. Oh! La porte numéro 2, tiens. Tiens, je vais aller chercher les fantômes. Allez! Ok. 80 pièces. Oh, il en reste encore un. Plus que 3 fantômes à battre. On est bon. Alors, je sais pas s'il fallait la prendre dans ce sens-là. Oh! Excellent! J'ai des petites...
bien. Ah putain, par contre, j'ai un timer, j'avais pas capté. C'est pas grave, je vais revenir en arrière. Mais c'était juste pour en mode. Ma casquette ailée. Attends, c'est trop bien. Vas-y, retourne-y. Il faut que je me grouille par contre. Hein. Trop stylé, putain. C'est génial. C'est très Halloween, ça fait peur. Attends, ouh, attends, les sauts, est-ce qu'ils vont m'en donner beaucoup plus? Voilà, j'ai 6 bonbons, et si je prends ça, je l'ai complètement foiré. Il y a un bouton là-bas. Ok, c'est des super bonbons ça. Par contre, les pots de citrouille là, je sais pas quoi en faire. Peut-être que c'est des blocs, il faut que je saute juste en dessous, peut-être. Ah oui, ça a la forme d'un bloc, ça. Ah ouais, pas mal. Faut que je me dépêche parce que j'ai pu avoir ma casquette. Au bout d'un moment, elle risque de partir, je pense. Excellent. Bon, je sais pas quel est le but du jeu. Surtout que les pièces, finalement... Enfin, les bonbons, j'en ai déjà reçu plein grâce aux pièces qu'il y avait dans les bouts, en fait. Je crois pas que le jeu me demande d'attraper tous les bonbons. Il me faut 111 bonbons. Ah! Finalement, le jeu me demande de toutes les attraper. D'accord, on va revenir en arrière parce que j'ai perdu du temps en lisant le... Il m'en faut 111. Oh putain. Ce bruit, il me gêne. Ah, si je passe au centre? Non, il se passe rien si je passe au centre. Je suis sûr, le développeur, il s'est enregistré, il a fait... Ça va être parfait, ça va faire bien peur. Presque fini. Il m'en faut encore... un peu plus d'une dizaine. Il m'en faut 12, là. Par contre, la casquette, elle reste longtemps. Ah, mais j'ai plus que 15 secondes, par contre, je viens de capter. J'ai un peu chié, là. J'ai pris trop longtemps. Oh putain, il m'en manque un. Ah oui, mais je suis mort, mec. Ma casquette, elle va partir, regarde. Allez, salut. Bye bye. Bon, c'est pas grave, je le refais. Je sauvegarde maintenant et je perds pas de temps. Bon, maintenant que je sais qu'il faut que je les récupère quasiment tous, je me complique pas la vie, je fais ça maintenant de suite, quoi. Le nom de cette room, c'est House of Horror. De toute façon, je mettrai les liens de téléchargement de chacune des ROM hack dans la description de la rediffusion sur YouTube. Allez, on a fait plus de la moitié, c'est bon. Déjà passé par là. La maniabilité de Mario quand il vole là, elle est vachement plus facile que dans le jeu de base. Genre il a pas tendance à être attiré par le bas là, Mario, j'ai l'impression. On a quasiment fini avec une minute d'avance. À coup de 2 bonbons par cercle. Voilà, c'est bon. Ah non, pardon. Je crois que c'était 101, non, c'est 111. Dépêche Mario. On n'a plus beaucoup de temps. Hop, et là c'est bon.
C'est bon. Dans le jeu de base, c'est horrible. Ouais, c'est vraiment pas facile. Là, tu vois, si je veux remonter, t'as vu, il part dans la direction que je veux vraiment, c'est fou. Oh merde. Ça, c'est un gros fail par contre. Oh non. Oh non. Oh non, est-ce que je viens de niquer la game pour ça? Où est l'étoile? Où est l'étoile? Où est l'étoile? Allô? Oh non, mais pire. Ah là! J'ai eu un peu de sueur, je vous avoue. Vous le sauvegardez? Ah ouais? Carrément? Nanana, Candy, viens. Hé. Je crois que c'est la sorcière qui m'appelle. Ouais, j'ai eu un peu la pression là. Ouais, j'ai eu un peu peur, effectivement, oui. Hé, il est 22h10! Et même pas, vous m'avez dit que c'était l'heure de la pub. Les petits coquins là. Allez, pub de 60 secondes. Vous êtes partis, à tout à l'heure. Hop. Merci Lélo pour les bits. Et Yuza qui a sub en prime tout à l'heure, je l'avais pas vu. Oh. Mes contrôles sont inversés sur ma manette. Non? Non? Ils sont pas inversés? Ah non, pas du tout. Pourquoi j'ai eu cette impression? Ouais. Ah, y'a des gens qui ont eu la pub malgré eux. Oh! Oh putain, j'ai pas fait exprès! J'avais pas vu qu'il y avait ça dans le... Je voulais sauter sur le mur, moi, en fait. Ah, il faut que je joue un peu avec la version miroir. Ça, c'était très nul. Ah, oh, Mario, t'es nul. Pourquoi il me manque de la vie? Lilou Kitsune qui offre un sub, merci beaucoup. Alors là, il y a encore une... Attends, elle est où la boule là? Ici. Merci pour les bits, Esquisse Alexis. Merci beaucoup. Alors, je suis censé faire quoi là? Tu veux que je rebondisse sur le mur peut-être? Non. Non, je suis peut-être trop bas. Enfin trop haut justement. Ah mais zut alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y en a une autre invisible de cachée? Ah, vous voulez que je me mette en caméra là qui tue? Ah oui, vous avez raison, c'est plus droit. Mais ça me dit pas ce que je dois faire. Ah, rebondir sur le miroir peut-être. Ah. Ah, attends, excusez-moi, là Mario, il allait à gauche. Non, Mario, il a ses contrôles, ils sont un peu chelous là. Merde. C'est pas moi qui tombe comme une merde, je vous jure. C'est que je fais des choses et le jeu, il me fait faire d'autres... Il me fait aller à d'autres endroits. Quand je lui dis d'aller à gauche, il va vers le bas. Voilà, je suis allé... Mon joystick était vers le haut, là. Et là, regardez, je vais tourner le joystick vers la gauche. Voilà, je le tourne vers la droite. En fait, il tourne sur lui-même, là. Mon joystick, il est poussé légèrement sur la droite. Là, c'était moi qui étais nul. Putain, quelle chance! Ok. Ok. Très bien.
Ouais, ok. J'essaie de regarder un petit peu dans le miroir, c'est pas un truc caché. Oh, c'est sympa ça. J'aime bien. Par contre, j'ai pas vu dans le miroir s'il y avait un truc invisible, peut-être. Non, rien du tout. Bah du coup, j'ai juste à tomber là. Et je remonte normalement l'escalier. Ok. Ah ah, il y a des plateformes invisibles. J'essaie de faire un triple saut et d'aller rebondir sur le mur. Fail. Ok. Fail. Fail deux fois. Ok. Et là... Là-bas, la grille est fermée ici, donc il faut que j'aille à droite. Alors là, par contre, tu vois pas ce que tu dois faire. Peut-être rebondir? Ouais, c'était ça. Bonjour. C'est sympa, j'aime beaucoup cette idée. Il y a quoi là, ici, de caché? Il y a... Il y a rien de caché. Waouh, ok. Peut-être que c'est un chemin. Ça, on montre peut-être un chemin à passer à l'intérieur. Peut-être qu'il est, il est caché dedans. Ah non, peut-être pas. Peut-être que j'ai... Non, je rêve. Ah, peut-être qu'avec un triple saut, ça peut passer. Putain, je m'attendais pas à ce que je puisse sauter aussi haut. Attends, je voulais regarder avec la vision en fait. Voir si je pouvais m'accrocher quelque part. Non, il faut que je m'accroche à la corde en fait. Je sais pas si... Elle doit être au milieu. Ouais, le... en fait, elle doit être... Il faudrait que moi, je me mette au bord, je pense. Ok, c'est bon. Bien. Continuons. Pardon. Ah non, pardon, je n'avais pas vu la transparente. Ouais, non. Nique-toi! J'essaie de faire un saut en longueur, mais... Non, ça sera pas ça à faire. Un simple saut, ça passerait pas. Non. Je regarde dans le miroir s'il n'y a pas une plateforme invisible, non?
Par contre, dans le miroir, ils ont un boulet, une chaîne. Rebondir sur le mur droit, j'essaie de le faire avec un peu plus de vitesse. Putain. Putain. Ça fait des trucs que je pensais pas que ça allait faire. Tellement heureux d'avoir les sauvegardes rapides. Y'a un truc caché ou pas? Non. Ça me grattait. Ah, dommage. Parce que ça, ça me fait prendre un peu de vitesse sympa, ça. Faudrait que je prenne un peu... J'accumule un peu de vitesse. Ah, quel dommage. Ok. J'ai voulu tricher et sauter par le mur. Non, c'est peut-être pas ça, je pense pas. Imagine ce parcours sans save. Eh ben ouais. Bah non, du coup, j'imagine pas. Oh bah putain, c'était simplement ça. Pourquoi j'ai pas réussi? Non. J'ai essayé de rebondir sur le miroir, j'étais trop proche de lui pour avoir assez de vitesse pour rebondir en fait. Tu l'as fait! La fin de la maison, vous le sauvegardez comment ça? La fin de la maison, j'ai eu que 2 étoiles, on m'a dit qu'il y en avait 3. Tiens, tu es là toi, ça faisait longtemps. Impressionnant! Tu as fait la maison des horreurs! Bravo! Tu es très très fort, tu es incroyable, en plus tu es un super youtubeur. Bravo! Petite sauvegarde, ça fait pas de mal. Merci pour la vie. C'est une fosse. La sortie. La sortie. Wing. Tu ne t'es pas échappé. Il existe une porte 4. C'est dans les pierres tombales maintenant. Mais quoi, c'est on peut le faire maintenant ou c'est qu'il y a une suite? La porte 4! Oh non! Incroyable! Là, je peux rien faire. Hein. J'appuie sur Start, il se passe rien. Je devrais peut-être relancer le jeu. Mais je pense que le jeu s'arrête là et ça te fait croire qu'il va y avoir une suite, mais peut-être que ça se termine comme ça, je pense. Non, la porte n'est pas ouverte. Non, c'est plus pour en mode... est-ce que c'est la fin? Pour une interrogation. Oh putain! Ah putain, moi je croyais que c'était terminé. Oh putain, j'ai arrêté le jeu comme un con. Oh, ah non, on peut y aller maintenant. D'accord. Hey, hey, hey. You can never leave. Putain, leave. Je sais même plus ce que ça veut dire, leave. Merci Lilou pour les beats. Et merci Zoé qui a offert un sub. Quitter. Ah ouais, d'accord. Tu ne peux plus partir. Va-t-on avoir... Oh! C'est Spooky's House of Jumpscare. Je connais. Des screamers sur des cartons. Je connais ça, moi. Trop mignon. Oh! Bonjour. Je lui parle et il y a un gros écran en mode jumpscare. Oh, il aurait fallu que le son soit beaucoup plus fort pour vraiment faire peur du coup. Mario House of Horror, un hack créé par Biopack. Biopack qui était dans le chat hein, depuis tout à l'heure. Je lisais de temps en temps, il était là. On avait le développeur qui nous avait fait honneur de sa présence. Ah, ça c'est du Luigi's Mansion. Non, pas du tout. WarioWare. Na na na.
C'est le thème de Ashley dans WarioWare. Ok, cool, c'était bien. Putain, mais avec, il se paye le luxe d'avoir un vrai générique de fin. Trop stylé, c'était bien. Ça a été la plus longue ROM hack qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce soir-là. Jusqu'à maintenant. Non, ce soir, tout simplement. Mais elle était grave cool. Elle était pas effrayante, en mode il y avait des jumpscares ou quoi, mais elle était sur le thème d'Halloween, finalement, donc elle était sympathique, ça va. C'était bien, je l'ai bien aimé. Et donc du coup, le créateur est français. Regarde, il y a écrit French. C'est écrit en gros, c'est le seul mot que je sais lire. Là. Là, il est là. French, je connais ce mot-là. Merci d'avoir joué, merci d'avoir créé le jeu. C'était grave cool, ouais, j'ai bien aimé. Allez, on va ouvrir une nouvelle ROM. On va s'en faire une autre maintenant. On va faire Shroom Raider, Shroom c'est champignon. Raider comme Lara Croft. Ouh, c'est un parcours d'obstacles. Shroom Raider par Falco Buster. Ok, donc ça c'est des trucs pour moi. Oh, stylé. J'avais même pas pensé à faire une sauvegarde d'ailleurs, j'y pense. Allô, la sauvegarde. La caméra. Oh putain, ça va être du frame perfect. Vas-y, tu me refais ça pour voir d'où t'as considéré que j'étais mort. Ok. Tu as des nouvelles de Nico? Non, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles de lui. Ah. Attends. Merde. Attends. Ah, ça c'est stylé ça. Ça reprend un peu les... Ah ouais, non, ça c'est stylé par contre. Mais tu m'étonnes que j'en chie depuis tout à l'heure en fait. C'est une mécanique que t'as pas du tout dans le jeu de base. Ah ouais. Merde, j'ai pas fait de sauvegarde rapide. Ah mais c'est bon, le jeu il est sympa avec moi. Il est fait lui-même. Merde, je veux faire une charge au sol en fait. Des pics, faut pas toucher les pics. Ça fait peur, attention. Putain. Le jeu fait peur, hein. C'est un jeu d'horreur, attention. C'est dur. Mais Nick. Oh mais c'est fou. Je dois l'arrêter vraiment longtemps avant. Là. Non, non, il veut pas. En fait, il s'arrête quand il a plus de... Ouais, d'accord, ok. En fait, j'appuie sur Z une fois pour me décrocher du mur, j'ai l'impression. Ok. Ah ouais, c'est ça, il faut l'anticiper. Il est nul. Oh, stylé. Grave stylé. Putain. Grave stylé cette façon de jouer. Je suis très effrayé. Oh, attention, on a l'histoire qui fait peur, c'est maintenant. Le royaume champignon, il est dans le turmoil. Bowser et son magicien méchant Kamek, pardon. Il a attaqué le royaume. Il a mis le royaume dans un hiver éternel. Nous avons rejoint le héros, le plombier Mario. Et nous recherchons le chaliste de l'hiver, un légendaire artefact qui permettra de sauver le monde. ouais, ok, tout pareil. Ah oui, d'accord, il rigole pas là, la neige, c'est... Oh, stylé, des petits messages qui t'apparaissent comme ça.
Mais je peux courir sur tous les murs que je veux. Oh, ça va être cool. Hein. Ou par contre, ici, on me ramène pas la vie. Donc je vais utiliser mes sauvegardes. C'est musique de Céleste, ça, non? Je crois qu'il y avait écrit Céleste. Ah oui, 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 je reconnais clairement Céleste. On peut pas courir sur ce mur, du coup? Ah si, on peut. C'est dommage que ça n'ait jamais été repris dans d'autres ROM hacks. C'est vraiment la première fois que je vois ce pouvoir. Et il marche trop bien. Enfin, j'ai pas souvenir l'avoir vu ailleurs. Hop, on m'a demandé de daber. Paf. Ah, il y a des gens qui m'ont demandé de boire de l'eau. Putain, ça fait au moins 2 heures que je leur ai dit que je le ferai. Je vais chercher une bouteille, je reviens. Pas de bêtises pendant que je suis pas là. Pas de bêtises pendant mon absence, profitez bien de la musique. Ah oui, bah du coup, oui, je bois. Ah, quelle bonne eau, merci. Ah, mais elle est dégueulasse en plus, elle vient du robinet, Derk. Bon, du coup, c'est pas une map horreur, j'ai l'impression, pour le coup. Mais en tout cas, elle a un très bon gameplay, j'aime bien. Mario, dépêche-toi. Ça me fait rire les gens qui demandent à se faire ban. C'est vraiment le meilleur truc qu'on ait mis en place, je pense, sur ce live. Hop, je me recoiffe, Naruto le gentil. Par contre, ok. Non, putain, il a duré longtemps. C'est pas que ça marche pas très bien. C'est que c'est juste compliqué à prendre en main en fait. Après, je suis peut-être nul aussi. Ça aussi, c'est une mécanique que j'avais jamais vue avant. Ah, j'ai pas de compteur de vie par contre. De compteur de dégâts. Ah, si, à l'instant, je viens de me perdre en cœur. Parce qu'en fait, j'ai pris des dégâts de chute et ça. Il m'a redonné la vie, merci. On va pouvoir courir sur le mur en grimpant. Attends, ah ouais, d'accord, il faut rebondir sur le mur et ensuite courir sur le mur. Hein. C'est ça? Ah ouais! Bah, c'est pas facile. Hey! Le! C'est comme ça que ça prend ce pseudo? Le, merci d'avoir sub. Fail. Gros fail. Ah, win. Putain, c'est serré quoi.
Ok. J'imagine que ça va partir là-bas. Et j'étais sûr que j'étais sur la plateforme, dommage. Ouais, j'ai clairement pas eu le temps de courir. J'ai tellement pris mon temps. Petite sauvegarde rapide. Je sais pas s'il peut passer avec juste un saut en longueur comme ça. Il peut. J'essaie de gagner du temps en ne bougeant pas la caméra. Oh! Mario! Allez, tu l'as déjà fait une fois, tu peux le refaire. Il s'est fait accrocher. Ok. Yo Ford, yo. Comment ça va? Quoi? Attends, je suis censé aller de quel côté de la... Déjà. Ah, là-haut. Merci pour les GG. Ah d'accord, la glace ça marche pas. Logique. Ok. Donc là, la flèche me dit que... Ouais, la flèche me dit que c'était à droite. Fallait la croire. Moi je suis du genre à pas croire les flèches. Attends quoi? Comment je vais faire moi? Juste en sautant là? Ah d'accord. Ah oui, oh putain d'accord. Ah oui, c'est intéressant ça. Failli là. Non, pour le coup c'est pas un jeu d'horreur du tout. C'est juste un gameplay avec un gameplay très étonnant. Mais pas en mode horreur. On est sur une parodie de Céleste en fait. Pas du tout une parodie de Céleste. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il court sur le mur. Cool. Et moi je veux savoir maintenant ce qu'il y a tout en haut de la montagne. Le jeu il m'a hypé. Pourquoi il marche pas bien ce petit nuage? Il marche pas comme les autres nuages. Bon. Ça marche aussi. C'est normal, Mario. Attends quoi? Ah, là. Ça sent pas bon, Farod. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, je me fais goumer. Oh putain, je me fais bisuter. Mais calmez-vous. C'est incroyable. Putain, ça m'a rappelé mes années collège. Putain, c'est ouf. Trop bien. Allez. Oh, je les aime pas les nuages. Je sais pas les contrôler. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, mais attends, mais peut-être qu'il n'y a pas besoin d'utiliser le nuage comme je le pense. Faudrait que j'essaie de courir sur le mur.
Yes. Aïe, tu veux plus courir sur les murs maintenant, Mario. Mais Mario! Bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire en fait. Ah, il faut faire juste un double saut? Non! Je le fais ton double saut! Je sens que je vais pas tarder à la laisser tomber cette run, si tu veux mon avis. J'essaye 10 fois. 10 tentatives. Première tentative. Deuxième tentative. Troisième tentative. Quatrième. Ok, je commence à comprendre comment il marche. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon, finalement, j'abandonne pas le jeu encore. Hey! Yes. Ah, ok. Il faut que j'aille rebondir sur le mur. Il faut que j'aille courir sur le mur. Putain, c'est stylé. Putain, trop stylé ça. Attends. Attends, quoi? Je dois peut-être pas rebondir en fait. Je me mets là. Ah ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux que je fasse. Et là, je rebondis. Oh, c'est dur. C'est que moi, je suis pas très bon pour rebondir sur les murs. Souvenez-vous du live de la semaine dernière où on est resté bloqué 10 minutes sur un endroit où il fallait juste rebondir entre deux murs. Donc j'y arrivais pas. Yes. Le problème c'est qu'il a un angle qui va le pousser vers l'extérieur. Puisqu'il saute là déjà. Il saute en direction de l'extérieur. Oh oui, d'accord, ok. J'ai le ralentir. Ah oui, mais si je le ralentis au plus, après il a plus de vitesse et il peut pas rebondir sur le mur. Eh, c'est que c'est sournois tout ça. Faudrait que je sois le plus proche de. Ouais, non, ça c'est fail. Ah, dommage. Faudrait que je passe juste en dessous pour gagner un max de temps. Ah, ça aurait été bien ça. Monsieur, il se cogne, il veut pas rebondir. Oh, dommage. Parce qu'il est parti trop à gauche. C'est plutôt le faire comme ça maintenant, directement. Oh, c'est parfait ça. Ça, c'est parfait. Ouf, je pouvais pas le faire mieux. J'étais pile à la hauteur du mur, j'ai fait des tout petits sauts. Ah non, mais c'est la suite logique en fait. Ah,
ça c'est pour donner des cœurs. Merci. C'est pas la fin, hein, rassurez-moi. Est-ce qu'il faut que je rebondisse? Ah oui, là peut-être. Ils ont pas l'air très parallèles. On peut peut-être faire quelque chose. Ah! Je cours sur le mur. Attends, je peux déjà aller me poser sur la plateforme là-haut. Ça, c'est déjà bien. Oh, putain. Ah, il faut que j'enlève la neige des... Merde! Trop rapide, Mario. Je sais pas si c'est ça le jeu, de devoir enlever la neige. En tout cas, je peux le faire tranquille. Ah, j'ai cru avoir vu un truc là-haut. Oh, je pense qu'il faut, se démerder pour aller là-bas. Ouais, alors pas comme ça du coup. Comme ça. Vie! Bouh! Va-t'en, sale neige! C'est bien. Ok. Trop stylé. Trop stylé. Oh, mais sérieux? J'imagine que je dois me grouiller. Ok. Oh non, tu es nul. Mario, fais un effort. Toi. Bonjour aventurier, est-ce que tu escalades le chalice de l'hiver? Moi aussi, j'ai escaladé sa montagne de... et j'ai raté. Mais avant, j'aimerais entrer dans la tombe. Vas-y, moi je suis là pour monter les montagnes et pas pour parler anglais. Rageux! Oh! Déjà, on met une musique de Majora, ça me plaît. Surtout, je me bats contre Shrek, ça me plaît aussi. Qu'est-ce que c'est que ce boss? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire tomber? Je dois lui sauter sur la tête? Je dois appuyer sur A. Ok. J'essaie de savoir si je peux courir sur les murs. Je cherche un moyen de juste interagir avec lui en fait. Putain, mais il est stylé ce boss. Ah, je suis mort. Mais c'est pas grave. J'avais une sauvegarde. Peut-être pas qu'il faut sauter sur sa tête. Je suis une bite. Oh là là. Le mec d'avant explique le boss. Oh, fait chier ça. Gardien de la montagne.
Ah, apparemment, ma seule chance de pouvoir l'attaquer, c'est quand il fait une tempête de freeze. Hein, le truc qui m'a gelé. Qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, je crois savoir ce qu'ils me demandent de faire, ok. Bien sûr que je peux battre Shrek. Attends, tu te doutes de moi? Du coup, faut attendre tout son pattern d'attaque qui passe. Il faut attendre qu'il m'attaque en soufflant, du coup. Ils sont stylés, ces attaques. Putain, il m'a touché. Ok, là, il va souffler. Putain. Bon, c'était clairement là qu'il fallait l'attaquer, en fait. J'essaie au moins d'esquiver son attaque en fait. C'est pendant cette attaque qu'il faut que j'aille l'attaquer, mais il est dur à aller chercher. Ah, je peux lui tourner autour. Ah, j'ai peut-être fait l'erreur. Non, c'est bon. Ça doit être chiant, regardez ce que je suis en train de faire. Putain. Non, j'arrive pas à l'attaquer. Oh, c'est marrant. Ouais. Non. Vas-y, tombe là. Bon, au moins je peux le faire bugger. J'anticipe qu'il va souffler à un moment ou à un autre. Attention. Ah, ok. Ça va être chiant. Non. Gros, t'es sérieux? Eh merde, j'aimais bien qu'ils soient bloqués là-bas. Ok, je crois qu'il va souffler. Putain! Mais plus rapide! Je sais pas comment je dois faire. Je sais pas comment je dois faire. Pour le battre. Il m'a clairement dit, c'est pendant qu'il souffle qu'il faut que je l'attaque, mais tu m'empêches tellement de t'approcher. Marion, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est chiant là par contre. Je peux pas l'esquiver. Moi je pensais qu'il fallait que je fasse une espèce de charge vers lui. Ou alors j'ai juste très mal anticipé et j'aurais dû faire ma sauvegarde plus tôt encore, mais... Thank you.
vais essayer de voir quand est-ce que j'ai une espèce d'ouverture, on va dire. Donc là, c'est le moment où il attaque. Moi, j'étais persuadé que c'était... Il fallait faire ça, là. Et non, regarde, je me prends un dégât. Je me prends un putain de dégât. Non, en fait, c'est pas pendant ça qu'il faut l'attaquer. En fait, c'est clairement pas à ce moment-là qu'il faut l'attaquer. Putain, il tire tellement loin. Dommage. J'aimerais bien ne pas me faire toucher par le vent, en fait. Pour éviter de perdre des cœurs. Bon, ça, c'est déjà ça. Oh. Ok, vous aviez raison dans le chat, il faut attaquer quand il me lance sa main. Oh non, Mario, espèce de teubé. J'essaie de le bloquer comme j'ai fait tout à l'heure. En fait, il faut faire trois fois le cycle d'attaque, je pense. Là, il saute. Et ensuite, il va me relancer ses petits pics. Donc, ça, j'aimerais voir si on peut l'or. Non, je pense pas qu'on... Non, c'est vraiment ça, juste sa main qu'il faut toucher, quoi. Je peux pas me permettre de perdre des cœurs. Putain! Dommage. Là, normalement, il va la faire, son attaque. Quoi? Ah, j'ai fait revenir au précédent checkpoint, ok. Oh putain, ma flèche, elle est directement là. Non, c'est pas bon. Oh, eh, vas-y, la fenêtre de tir, mais elle est ridiculement petite. Mais quoi? Ouais, c'est chaud. Allez, viens, 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 saute là. Yes, ok, j'aime bien ça. Ah, c'est marrant, il lance les pics dans la direction où je regarde. Pour essayer de m'avoir, en fait. Ah merde, c'est le vent. Oula. Ah, tu m'énerves quand tu fais ça, le jeu, par contre. Je lui ai pété une main. Et qu'est-ce qui se passe? Il est pas content. Il se fait écraser. Ah, tu l'as eu, Mario. Je l'ai eu, Mario. Tu as de la chance que je sois là. Ça va? Ouais, moi aussi je crois que je devais péter sa deuxième main, j'étais en mode... Ah non, ça fait beaucoup là, quand même. Oh putain.
Il est encore long, cette montagne. Ah mais on est arrivé au bout. On a escaladé toute la montagne. Ça faisait peur. Hein. Mais moi, je veux aller tout en haut. Vous pouvez pas m'enlever ça, voyons. Et je veux aller en haut, moi. Mais moi, si je vais sur le sommet de la montagne, c'est pour être juste là-haut. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Oh. Ah ouais, c'est violent quand même, là, par contre. Attends, mais pardon. Waouh, Mario. Voilà la partie d'horreur, on dirait. Ouais. C'est pas dit que j'y arrive, en fait. Je sais pas si je dois essayer de me démerder pour rebondir sur le mur ou pas. Ou alors essayer de plonger au bon moment. Ah, c'est peut-être ça. Juste pas se rebondir sur le mur. Ouais, ou alors donner un petit coup de pied comme ça aussi. Ça peut être bien. Mais monsieur, con de mur qui me bloque. Ah, c'est l'heure de la pub. Putain, c'est 23h, c'est l'heure de la pub, vous avez raison. Merci de m'avoir rappelé, la pub est lancée. Oh, mais voilà, c'est ce qu'il fallait faire, du coup. Oh, c'est un cadeau. Oh, c'est un cadeau! C'est Esquise Alexis qui vient d'offrir à l'instant deux cadeaux! Oh, c'est un cadeau! Ça, c'est très gentil, ça. Le bruit qu'il fait quand il meurt, il est bizarre aussi. Hein. Est-ce que je peux continuer à courir sur les murs dans ce mode là ou pas? J'ai eu 5 pubs, c'est pas possible, je viens de lancer la pub à l'instant, tu peux pas en avoir eu 5! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, c'est le vide. Oh, ça a l'air stylé ça par contre. En gros, c'est un peu des rebonds muraux. Ah ouais, mais c'est dur. Enfin, c'est peut-être ça qu'il faut. Ah non, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Ah mais si, c'est ça. Ah si, c'est ça. C'est complètement ça. Après, est-ce que Mario, il va y arriver? Oh, c'est un cadeau. Mais c'est peut-être pas ça, en fait, qu'il faut faire. Hein. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire, en fait. Ah si, 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 moi, excusez-moi, mais je sens qu'il y a un truc à faire. Après, est-ce que je peux aller jusqu'au dernier? Non. Non, je peux pas aller jusqu'au directement au deuxième. Ah si, peut-être. Mais complètement! Pouah, trop fort! Trop fort. En fait, fallait aller dans l'autre. Fallait chercher à sauter sur le deuxième directement. Ah, j'ai pas encore appris cette langue. Oh putain. Ah, merci pour la vie. Ah ouais. Ah, oh, c'est stylé ça par contre. Attends, qu'est-ce que je dois avoir? Ah, je dois sauter. Oh là là. Oh là là.
Oh là là, c'est à l'aveugle. C'est trop bien. Ok. Ah non, attends. Attends, quoi, pourquoi, quand je saute, j'ai plus le droit de regarder, c'est ça? Ouais, c'est ça, quand je saute, j'ai pas le droit de regarder. Là, ça va être fermé, oh putain. J'ai envie de faire un son longueur directement. Oh oui, ça passe! Putain, j'ai du cul. Oh, c'est trop stylé. C'est trop stylé, en vrai. Oh, on m'a demandé de boire de l'eau. On a Lilou Kitsune qui a offert un sub à Karatak. Merci beaucoup. C'est très gentil. Tu imagines, ça va m'ouvrir la porte qu'il y avait là? Eh oui! Bon. Après, je peux sauter sur le mur si je veux. Ah non, pas du tout. Bon, je suis désolé, on n'est pas sur une map horreur. Mais je vous avoue qu'on est, sur une map qui est très intéressante. Waouh, ok. Ah, oh, ça me tue pas! Je suis censé les esquiver comment ça? Ah! On va le refaire alors. Moi j'y vais! Je la trouve très très cool. Mince. Tu en avais mis deux à cet endroit. Du coup, ça se ferme jamais, c'est ça l'histoire? Pouille, trop chou, Mario. Pout, 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 pout. Bonne nuit, Lilou Kitsune. Merci. Très bonne soirée et bon courage pour demain. Ça, c'était nul. Ah mais attends, il y a une fuite là. Ah d'accord. Donc là, il y a un autre truc qu'on va devoir ouvrir après. Ah, je pensais que si je m'éloignais du chemin, ça allait... J'allais mourir. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y a... Qu'est-ce que... Mais... Si je fais le chemin comme ça, il va se passer un truc. Ah mais j'avais pas vu. Je suis aveugle. Ah, et maintenant il faut refaire le chemin qu'il y avait en haut. Ah ouais, d'accord. Ah non, faut que je la prenne par cœur du coup. Donc on fait 3 en haut, 2 gauche, 1, 2. Oh là là, oh putain. Mémoire, attention. Donc on se met comme ça. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 1, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 3. Et jusqu'à la fin. Ok. En vrai, je fais genre, mais j'ai pas du tout retenu. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Non, hey, il allait trop loin. J'ai mal compté. On la refait. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. De toute façon, c'est juste avant la fin. Voilà, comme ça. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ah non, merde! Je me rappelle plus de la fin.
1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Putain, caméra, s'il te plaît. Elle est horrible, la caméra, comme ça. Même si, en plus, elle bouge et tout. 1, 2, 1, 2. Ah non, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est tout simple. D'accord. C'est gagné. Je l'ai. Est-ce qu'il faut le refaire ou pas? Oh gros, faut le refaire. Oh, t'es sérieux? Je dois le refaire à l'envers. J'ai pas envie de le refaire. Ok. Là. Là. Là, là. Là, là. Là, comme ça. C'était ici, je crois. 1, 2, 1, 1, 2, et 2. Bah. Pourquoi il n'y a plus rien? Quoi? La flamme, ça l'a pas prise! Ah, ouais, d'accord. Quand tu meurs, ça prend pas la flamme. Oups. Qu'est-ce que je vais là? J'ai la flamme. Putain, j'avais pas la flamme, gros. Ça allait être terrible, hein, si j'en étais pas rendu compte avant. Ah, c'est là. À tous ceux qui disent que j'ai une mauvaise mémoire. Attention, je vous ai à l'œil. Ah merde, mauvaise scène. Non, mauvaise scène encore. Voilà. Oui, le message est passé, oui. Tu me diras, j'aurais pu faire un saut en longueur aussi. Ah, ça m'empêche de sauter, ça, faut faire gaffe. Par contre, cette musique de simplement faire du vent qui souffle, à un moment donné, ouais. Oh. Mais c'est le Saint Graal. Oh putain! Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi? Mais je crois que je dois pas le tuer. Je crois qu'en fait il me poursuit. Je crois qu'en fait il faut que je m'échappe. Pourquoi il écrit un mètre? Ah ouais, ouais, faut clairement que je m'échappe. Regardez, ils me disent à quel endroit il est exactement par rapport à moi. Est-ce que j'ai récupéré la... Ouais. Il a 10 mètres, il a 9 mètres. En fait, faut que je me dépêche maintenant. Putain, c'était nul ça par contre. Oh, le jeu. Mais à un moment donné, tu décides là à passer ou quoi? J'attends, j'y vais. Dommage. Mais t'es sérieux? Tu te sauvegardes? Vite! Attends, mais pourquoi je dois aller... Quoi? Attends, mais je dois aller en bas? Pourquoi je dois aller là? Je dois pas retourner là!
sens, il y a le truc là-bas qui me redonne de la vie. Ah non, c'est juste pour prendre de la vie vite fait. Il passe par la gauche, tu vois. Ah non, il passe pas du tout par la gauche. Ok, je reprends de la vie, je repars là-bas. Il y a 28 mètres, 22 mètres. Oh putain, mais il passe à travers les murs, ce petit con, c'est stressant. Putain, il est à 2 mètres. Non mais mec. Il me faut de la vie. Il me faut de la vie, s'il vous plaît. Oh là là, je recommence là. Bon, faut que j'arrive à monter ça plus rapidement. C'est-à-dire pas comme ça. C'est pas grave, celui-là, de toute façon, j'ai l'impression que je peux pas trop l'esquiver. Ça, c'était stylé. Ça, c'était moins stylé. Ça, c'était encore moins stylé. Sauvegarde rapide. Oh, non mais sans prix, il faut que je refasse ça. Il faut vraiment que je refasse ça. Le truc que j'avais galéré comme un ouf. Déjà il faudrait que j'aille sur la plateforme si j'y arrive. Dommage. Oh. On va y arriver. C'est vraiment, je cherche à avoir le dernier moment quoi. Eh oui, parce que si je le fais légèrement avant, il s'est pas accroché au deuxième mur. Sauvegarder. Oh, t'es nul. C'est pour ça qu'il a mis des trucs comme ça dans le level. Je sais plus où je dois aller là par contre. Attends, c'est juste que je sais plus où je dois aller. Ah oui, non, c'est ça. Faut que j'aille en hauteur. Fail. Voilà, je me prends en dégâts. Yes, on va vraiment être jugé sur les sauts muraux en fait. Tu sais, le truc que je gère le moins. Ah, le saut mural, il faut que je le fasse là-bas. Attends, quoi? Ah, stylé! Ah, peut-être que en angle droit il prend pas en compte le fait que je puisse sauter. Ah merde. Il apprécie pas ça par contre. Attends, je vais essayer de regarder un peu où est la plateforme où je dois aller. Elle est là-haut. Bon, je vais faire pour monter là-haut moi. Frigide tombe. Tombe de Frigiel. Non, ah merde. Même si j'essaie de mettre le joystick le plus à gauche, ça passe pas. Le premier mur, pas le mur du fond. Ah, putain, bien vu. Oh putain, bien vu, vous avez raison. Ah, je me disais bien que c'était pas normal.
Mario, quand il meurt, il tousse. Je suis mort. Ah merde, j'ai fait une sauvegarde où je me le mange comme un con. Bon, au pire, c'est pas bien grave. Au moins, ça me laissera tenter. Ouais, même en tombant, je me fais des dégâts. Il y a ce plafond là qui va me gêner, donc il faudrait que je saute sur le mur. Yes, j'ai toute ma vie. Thank you so much for playing my game. Putain, ça s'est arrêté si subitement. Mais c'était cool. Le winner, c'est toi. C'est ce qu'il dit le jeu. The winner is you. Tu réussis, bravo. Tu peux retrouver le code source. Ah, trop cool. Putain, c'était bien. Il était cool ce jeu en vrai. Il était grave cool celui-là, je l'ai bien aimé. Même s'il était pas du tout jeu d'horreur en fait. Mais il était grave cool. C'était bien. Ah, il était bien. En plus, je dirais si, je suis content. Merci. Merci le développeur, je sais pas. Merci beaucoup. Quel bon eau. Miam, 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 quel bon eau. Bon, est-ce qu'il m'en reste encore des ROM à faire là? Il m'en reste 4. Il me reste 4 à faire. On les fait ou on s'arrête là? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on s'arrête ou que je continue, que je fais les 4 dernières? Et comme ça, dimanche prochain, on... Ah, dimanche prochain, il n'y aura pas de live, par contre. Fête des pères, je ne serai pas là. Après, si j'en ai que 4 et qu'elles sont courtes, autant les faire de suite, tu me diras. Pourquoi je vous pose la question? Je connaissais déjà la réponse. It's me, Mario. La recherche du mystère. Putain, c'était la police d'écriture de Indiana Jones. Alors j'ai déjà commencé le jeu tout à l'heure, juste pour vérifier si tout allait bien. Non, pas de Baldi ce soir. Pas de Baldi, je me le réserve pour ma vidéo YouTube qui sortira quand je me serai attaqué au montage de Five Nights at Freddy's 3, c'est-à-dire dans 1 milliard d'années. Putain, je m'étais déjà tapé cette intro, elle est beaucoup trop longue. Je reconnais pas la musique par contre. Alors regardez, je suis Indiana Jones. Et j'y ai déjà une étoile parce que regardez, il y avait une étoile qui était juste là. J'avais une étoile qui était juste là et je l'avais récupérée. Celle-là, je l'avais déjà testée, cette ROM, parce qu'elle faisait. Elle était. Avec les 3 dernières ROM qu'on va faire, les 3 derniers jeux. Ils étaient sous un format spécial, il fallait que je les patche depuis un site internet. Donc j'avais aucune idée si ça allait marcher ou pas. Ils étaient pas en point Z64. Ils étaient dans un point un peu chelou. Mais depuis quelques temps, je vois de plus en plus de ROM hack comme ça, parce que ils ont... les développeurs, ils ont plus le droit de poster de vrais ROM hack qui se jouent directement en fait. Il faut poster de faux ROM hack qui ensuite se patchent ensuite avec un logiciel ou sur internet. Donc en fait, j'en ai eu 3... 4. Bah, c'est les 4 dernières à faire. C'est pour ça qu'elles sont à la suite. Elles portent toutes le même nom. Et voilà. Donc nous sommes Indiana Jones. Et du coup, je suis pas allé plus loin que ça, du coup. Mais c'est pas de l'horreur, du coup, pour l'instant. Enfin, pour l'instant, c'est pas de l'horreur. Après, est-ce que l'horreur viendra plus tard? Je sais pas. Excusez-moi, la ROM hack qu'on a fait tout à l'heure avec la tête de mort qui me follow, là. Moi j'ai eu très très peur, hein. C'était très l'horreur. Hein. Là-bas il y a une étoile qui brille. C'est cool du Mario Indiana Jones, c'est clair. Ah, qu'est-ce qu'il me dit mon frère? Faut que tu fasses Regular Pasta avant celui-là. Ah! Tu veux dire que celui-là c'est la suite d'un autre jeu? Merde, bon. Mon frère vient de me donner un ordre, on change. Attends, je vais changer. Putain, mais Regular Pasta, je l'ai pas mis parce que je leur ai donné à tous le même nom. Y a pas le nom des ROM à l'intérieur. Regular Pasta! Je l'ai trouvé du premier coup. Donc je sais pas, celui-là j'ai...
Oui, celui-là aussi, je l'avais lancé vite fait et j'avais vu qu'il buguait beaucoup, ça m'inquiétait. Bonne nouvelle, lui, c'est un horreur. Ok, celui-là, ce sera une ROM hack horreur. Mais... je t'avoue qu'il m'avait un peu inquiété, celui-là, parce qu'il buguait... Non, il buguait qu'à cet endroit. Après, les escaliers passés, il buguait plus, je crois. C'est ça. Est-ce que vous êtes prêts à sauter dans un tableau de spaghetti? Donc apparemment celui-là ça sera une version horreur. Pour l'instant ça a l'air de plutôt... Oh sérieux, par contre le jeu qui lag là. Oulala, si ça lag aussi longtemps je vais peut-être pas le faire. Les spaghettis sont terrifiants. Tu veux dire que ce sont des... Creepypasta! Ça fait 4 ans que j'essaie de la sortir, celle-là, putain, je suis content. J'ai pas sur mon stream deck une scène directement pour Mario 64, c'est chiant ça. Merde. Merde! Ok. Oh, et là, ça lag plus. Il devait y avoir un truc que le jeu ne devait pas apprécier afficher. Please do not ground pound this sign. Voilà, maintenant je me fais même plus chier à traduire, je vous le dis directement en anglais. Alors, va dans les paramètres de la ROM comme avec facteur compteur et vérifie si la RAM est à 8 et le facteur est à 1. Ah putain, ça se remet automatiquement par défaut. Facteur compteur à 1. La RAM, elle est toujours à 8, normalement. Ouais. La taille de la RAM est toujours à 8. Pour lancer les ROM hack, il faut toujours mettre la taille de la RAM à 8. Normalement, ça devrait ne plus faire bugger. Ça, c'est stylé, par contre. Ça va me plaire, ça. C'est quoi cette musique cliché que vous avez mis? Ah, ça la gote un petit peu quand même. Tu dois aller à droite, vite! Tiens, je vais en profiter, petite sauvegarde. Oui, ravioli, spaghetti, tortellini. Est-ce que je peux lâcher? Je le lâche. J'ai éteint la lumière. Oh. Oh. Ah, c'est les sembles mouvants. Oh merde. J'avais pas capté. J'étais serein, moi. Je me suis dit, cool. C'est quoi le bail, en fait? C'est un... c'est un... un restaurant de l'horreur. Ouf. Oula. J'aurais peut-être utilisé ça pour m'accrocher. Si c'est des sables mouvants. Non. L'ambiance a changé, mais pas la musique. Merde. Ok.
le son a augmenté de ouf, ça m'a perturbé. Ah non, ça devait être juste un petit bug. On m'a demandé d'abé, paf. Si, 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 la musique augmente. Bon, ça c'est pas mal, ça tient. Je suis un peu con parce que je saute, je réfléchis même pas où je vais. Tiens, la pièce rouge direct. D'accord. C'est stylé, j'aime bien. Ça, ça aurait été plus effrayant, enfin plus sournois, si ça avait été des sables mouvants instantanés qui te chopent direct et qui te font mourir quoi. Tu vois là, ça t'obligerait à faire très attention à tout quoi. J'ai fail. Oh putain, what? Bowser. Oh, et la musique qui s'arrête comme ça. Est-ce que je vais me faire démonétiser par ça? Est-ce que je vais être banni de Twitch pour ce que je suis en train de montrer? Ah, c'est violent là. C'est glauque. T'as pas? T'as pas? Putain, y'a un œil et tout! Oh mon dieu, quelle horreur! Bonjour! Waouh! Oh! 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 Des mondes qu'on connaît déjà nous, mais sous une autre forme. Qu'est-ce que nous fait la tortue là-bas? Wow! Ok. Un truc caché au plafond. Attends. Bah c'est sympa ce jeu là. C'est très agréable ce qui est en train de se passer. Laisse enfoncer Z pour crouch. Nanana, ou alors plus Z. Crouche-toi, puis saute. Quoi? Ouh, qu'il est puissant celui-là! J'ai l'impression que le jeu a planté. Hein. Ouais, je peux pas me start. Je crois que le jeu a planté. Je vais le redémarrer. Ah, spaghetti. Alors. Oh putain, tu m'as pas pris la sauvegarde en compte. Oh ouais, non mais... Oh non, c'est dommage parce que ça portait trop bien. Ah putain, mais comment vous savez que le jeu a planté? Vous connaissez déjà le jeu? Ah mon frère, qu'est-ce qu'il me dit? Le jeu a planté, le texte était faux. Apparemment le texte qu'il m'a donné était pas le bon. Ah bah c'est con. Non, ça se voyait, Farod.
Non mais oui, quand il a monté, ça se voyait, mais enfin, oui, bon. Mais merde, c'est con. Qu'est-ce qu'on fait? On le refait vite fait? Mais si c'est pour qu'il replante après, c'est un peu con. Par contre, il ne lag plus, déjà, cet endroit. Ça, c'est déjà bien, ça. Ouais, go. On le refait vite fait. Enfin, vite fait. Yes! Putain, je suis le meilleur. Hein. Non, en vrai, désolé, j'ai un peu la cagne de le refaire, là. J'ai un peu la cagne. De toute façon, on a déjà dépassé de 30 minutes l'horaire de notre live. On était censé s'arrêter à 23h, regardez. Normalement, le dimanche, c'est 20h-23h. Et moi, je suis quelqu'un qui respecte très, très, très fidèlement ses horaires de live. Vous savez, quand je dis qu'on s'arrête à 23h, on s'arrête à 23h. Hein? Le samedi aussi, oui, bien sûr, tout à fait. je peux pas load save? Ah, tu me dis... ah, bonne question. Je me suis jamais posé la question. Non, parce que j'ai pas fait de je faisais que des sauvegardes rapides. J'ai pas fait de vraies sauvegardes dans un dossier en fait. Pouette. Comment va réagir ce nouveau Pokémon? Merci Elise. Elise24 qui a resub pour ses 2 mois. Et Drillice qui a sub en prime. Non, puis en plus, j'avoue que j'étais un petit peu fatigué ce soir. Le live de 8h d'hier soir de Five Nights, il m'a un peu défoncé. Et comme j'ai beaucoup de boulot là qui m'attend, il faut que je fasse le montage de Five Nights, il faut que je fasse le tournage de Baldi Basique. Voilà ce qu'on va faire demain. Demain, Baldi Basique, c'est ça qu'on va faire en live. Demain 20h, on regarde la saison 3, enfin l'événement de Fortnite. Et après l'événement de Fortnite, on va faire du Baldi Basique toute la soirée. C'est ça qu'on va faire. Voilà, j'avais besoin d'un jeu pour demain, je savais pas quoi faire. Bah c'est ça qu'on va faire, Baldi Basique en live. On va jouer pendant 3 heures. Ce qui évidemment veut dire qu'on va jouer pendant 6 heures. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Ça va être cool. Parce que Baldi Basique, là, la nouvelle version, c'est pas une version qui est très motivante à faire tout seul, je vous avoue. Un peu comme Five Nights. Tu vois, Five Nights, si je devais le faire tout seul, oh, je me ferais chier. Là, c'est vraiment une version en mode. Il faut se dépasser à chaque fois. Tu sais, genre, il faut. Tu fais le. Putain, j'arrive pas à parler. Il faut. La première nuit, le premier étage, parce que ça se compte en étages. Premier étage, il est un petit peu tranquille, ça va, ça passe. Deuxième, ça va aussi. Troisième, commence à être un petit peu plus dur, etc. Farod, à quelle heure? Demain, 20h, comme tous les soirs. Tous les soirs, c'est 20h. Pas avant, pas après, c'est 20h. Mais à 20h, d'abord, ce sera un peu de Fortnite. Donc, je pense qu'on va faire Fortnite une demi-heure. Je pense que Baldi, on va le commencer à 20h30, quelque chose comme ça. Je peux te demander un dami sur Fortnite, Farod? Non, désolé, tu ne peux pas. C'est contre le règlement. Ça sera quoi les 20? Ben je sais pas. C'est ça le truc, c'est que personne ne le sait. On le découvrira en live demain. Personne ne le sait. Ça sera la surprise. T'as du montage à faire sur le live familial? Et puis oui, mon gars. Bien sûr que j'ai du montage. J'ai 8 heures de rush à monter et faire en sorte que ça devienne une vidéo de 30 minutes. Alors je te laisse imaginer. Ben déjà les 8 heures de montage, enfin les 8 heures de rush déjà, je dois tous les regarder. Je vais devoir me retaper 8 heures pour sélectionner les meilleurs moments. Donc là, j'ai déjà ma première session de tournage, elle va me durer 8 heures. Je dois revoir tout le live moi-même. Et je chope les meilleurs moments, donc je les découpe. Et ensuite, je les colle. Donc ça me fait un truc d'une demi-heure. Donc je me re-regarde une demi-heure, là. Ou 40 minutes, ou même une heure, ça va durer longtemps, je pense. Je me regarde 7 heures, donc ça me fait déjà 9 heures de montage. Et après, j'essaie de rajouter... Non, après, sur les best-of, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est juste du découpage, il n'y a pas d'effets spéciaux, de zoom ou quoi que ce soit à mettre. Donc j'en ai pour une bonne dizaine d'heures de montage sur cette vidéo. Et j'aimerais bien la sortir mardi. Donc je dois commencer ce soir ou demain. Au plus tard demain matin. Et après le live de demain, on fait sur Baldi. Donc je ferai le montage du live de Baldi pour jeudi. Parce que j'ai plus envie de sortir des vidéos le vendredi, le samedi, le dimanche. J'ai l'impression qu'il y a tout le YouTube Game qui sort leurs vidéos samedi, dimanche et vendredi. Et du coup, toutes les vidéos sont noyées entre elles. Genre, surtout, là, ce week-end, ça a été abusé. J'ai eu tellement de notifs de nouvelles vidéos de tous les YouTubeurs. Et par contre, en semaine, mardi et jeudi, il n'y a personne qui sort leurs vidéos. Et donc là, je suis tout seul et voilà. Je fais mes vues, entre guillemets. Donc c'est cool. Nous avons Nila the Lost Walker qui a demandé la récompense tout. Eh bien, toutes mes félicitations, bravo. Tu obtiens le roi des rubis, le roi des étoiles, pardon, le star, le VIP. Me voilà, après avoir passé ces 2 derniers mois à savourer intégralement tes lives, je tiens à pub ton serveur. Oh putain, parce que c'est vrai, t'as le droit à une publicité. Tu as tout à fait raison, c'est vrai, ça fait partie du tout.
Deux secondes. Donc du coup, je tiens à pub ton serveur quand on ressort... Putain, je sais pas parler, je suis vieux. Car ton serveur... Car d'ici 4 mois, ça fera 2 ans que je l'ai rejoint. Et depuis que j'y suis, j'ai vécu des moments inoubliables, rencontré des gens formidables. Donc n'ayez pas peur de venir. On est gentil. Je tenais aussi à te remercier d'être là et d'apporter du bonheur dans nos vies. Ta communauté est juste formidable et je regretterai jamais de te suivre depuis toutes ces années. C'est extrêmement mignon ce que t'as écrit. On fait un emote only là. Ah oui, oui, vu qu'il y a eu le tout, oui, tu peux faire un emote only. Oui, ça fait partie du bah, de tout. Ouais, t'as raison. Mais de toute façon, on va faire... Vas-y, mets un emote only. Et vous pouvez faire une petite vague de cœur pour Nila the Lost Walker. Qui vous a rédigé un message très gentil. Et son message est vrai. Venez sur le Discord. Même si vous n'êtes pas sub. Il y a 1 milliard de salons qui peuvent vous être dédiés. On a des animateurs d'exception. On a des modérateurs dictateurs de renom. Vraiment, le Discord est grave cool. Hein. N'hésitez surtout pas à venir. Hein. Là, ça fait quelques temps que je suis plus très présent sur le Discord, sur les salons, j'avoue. Mais de temps... Oh, quoique, tu me diras, là, juste avant le live de Five Nights at Freddy's, ben, j'étais dans le salon Five Nights at Freddy's et je demandais des conseils aux gens, juste avant le live. Et je ferai sûrement pareil avant l'épisode 4. Et je vais sur quel autre salon après. Putain, je vais aller regarder vite fait Discord, voir sur quel salon je vais. Je vais où? Je vais où? Allô, Discord? C'est bon. Moi, je vais sur les salons... Animal Crossing, j'y vais plus. La cuisine, j'y allais. J'y allais souvent à une époque, le salon cuisine. Je poste les photos de... Enfin, tout le monde poste des photos de ce qu'il mange midi et soir. Le salon... Oh, le salon Meme Review. Mais le salon Meme Review, c'est mon salon préféré. Je le regarde au moins 3 fois par jour. Il y a des memes dedans, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Et après, bah, le salon cours de japonais, forcément, j'y vais souvent. Dans les blablas vocaux, j'y vais pas beaucoup. Après, il y a les salons de modération que je vais souvent, mais ça, vous n'y avez pas accès. Bien évidemment, tu te doutes de pourquoi. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. Du coup, on va lancer le petit générique de fin, comme d'habitude. On va remercier toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne ce soir. Oups là, c'est pas le bon bouton. Qui ont soutenu la chaîne ce soir, merci à vous. Et merci à tous les viewers qui ont été là. Vous avez été très très nombreux ce soir, ça m'étonne beaucoup. D'habitude, vous n'êtes pas autant. Surtout pour du Mario 64, d'habitude, vous n'êtes pas autant du tout. Très étonnant. Donc du coup, je vous remercie. Merci les modos, merci Christina. Christina ? Ah, je t'ai pas vu dans le chat. Christina, Letty, je t'ai pas vu non plus. Moniscool, je t'avais vu. Morgan, je t'ai vu. Teru, je t'avais vu au tout début. Mais peut-être que j'ai quasiment pas regardé du tout le chat ce soir, tu me diras, donc c'est normal. Oui, je suis là. Ah, mais je suis désolé. Pardon. Je regardais pas le chat ce soir, désolé. Et merci à tous celles et ceux qui ont sub ce soir, ou alors qui ont resub, ou qui ont envoyé des bits. Merci beaucoup. Elle bosse dans l'ombre, tout à fait. On entend ton ventre. Ouais, on entend de ouf mon ventre. Ce soir, mon ventre, il fait grave du bruit. Désolé que vous l'ayez entendu, c'est un petit peu gênant. Je vais aller manger. Je crève la dalle, j'avoue. Qui c'est qu'on va raid ce soir? J'hésite à raid Marco, parce qu'il joue à Mario 64. J'hésite à raid Clara Doxal, puisqu'elle nous a déjà raid là, il y a quelques jours. Je pourrais lui rendre l'appareil, c'est la moindre des choses. Dommage qu'il n'y ait pas Skyheart. J'aimerais bien raid Skyheart un petit peu là. Il m'a fait un méga raid la dernière fois, c'était trop cool de sa part. Je me remets comme ça. Bon, Marco, alors Marco speedrun Mario 64, Clara elle joue à Valorant. Alors vous préférez qui? On va faire un sondage dans le chat. Alors Paul, qui préférez-vous? Marco ou Clara? Allez-y, je vous laisse voter. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Oh putain, ça va partir sur un 50-50, ça va me saouler, je sens. Ah, ça va me gaver. Ah, ça a l'air de plus vouloir aller chez Clara, j'ai l'impression. Après, tu me diras, Clara, ça fait longtemps qu'on l'a pas raid. Marco, je l'ai déjà raid plusieurs fois, il y a pas longtemps. Je pense qu'on va aller faire un petit coucou à Clara. Surtout qu'elle m'a raid. Je crois que c'était hier qu'elle m'a raid en plus, hein. De toute façon, ça dit quoi les votes? Pour l'instant, la majorité est sur Clara. Bon, petite majorité de 56%, mais on n'est pas loin. On aura bien l'occasion de raid Marco une autre fois. De toute façon, il stream tous les soirs, Marco. On est bon, j'attends quand même la fin du vote pour être sûr. Hein. Ok, ouais, c'est bon. La majorité, 57%, est pour Clara. Alors, vous allez dire bonsoir à Clara. Vous allez lui souhaiter le good luck. Souhaiter lui bonne chance parce qu'elle fait du Valorant. Ça doit pas être facile, surtout en live.
Et je vous fais des bisous, passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. À demain pour Fortnite et Baldi Basic. J'ai très hâte de Baldi Basic, ça va être cool. Allez, bisous tout le monde, à bientôt. Bye bye. Et voilà, ils sont partis. A plus YouTube, ciao ciao.